Pas que ce soit moi qui l'ai mis mal, puisqu'à droite, j'ai pas de problème. Ouais. Est-ce que tu avais un problème à droite et ça va mieux ou pas du tout? Non, j'avais pas de problème à droite. Ah, d'accord, ok. Et donc, à gauche, ouais. La première fois que je les avais mis, au bout de 5 minutes, une douleur horrible. Ouais. Je tenais pas au bout de 5 minutes. Mm-hmm. Maintenant, je tiens, puisque j'ai fait, je fais des concerts avec. Mais là, par exemple, on a fait le setup hier et... Ouais. Ça fait mal. D'accord. Mon cartilage a mal. Ouais. Or, à droite, j'ai pas le cartilage qui a mal. À tout moment, on te repasse sur les autres. Hein. Bon, on a fait ouais, d'autres réglages sur l'instrument. Ouais, mais non, parce mais que c'est vraiment... Ben, enfin, quand tu... Voilà, hein. C'est comme tu goûtes un bon petit vin, là, et puis je après, tu repasses bien. À la piquette. C'est-à-dire c'est si le vin te fait des gobies à chaque fois, autant repasser ouais. un petit peu sur... Tu vois, voilà. Mais bon, le truc, c'est qu'après, ben, c'est long, en fait. Le processus de... D'aller-retour, envoyer, oui, oui. Faut l'envoyer, faut qu'ils nous prennent en charge, et faut qu'ils renvoient. Sauf qu'après, bah là, on a des concerts. Donc, Avec plaisir, Nicolas Génitu qui dit ah oui, c'est vrai, pour mardi soir, je vous raiderai avec ma chaîne si je veux faire un résumé de ce que Nicolas Génitu. Merci beaucoup. Effectivement, mardi soir, n'oubliez pas, on a un live spécial. On compte sur vous. Venez, venez vous cultiver mardi soir. Ça va être bien. Ça va être un stream un petit peu spécial. Donc venez, mardi soir, 20h, minuit, avec Guillaume et Victoria de la compagnie Arnaud pour l'adaptation de ce magnifique roman, La Horde du Contrevent, en un format que vous n'imaginez même pas. Voilà, venez, mardi. Bah, je ne vais pas vous donner tous les détails, venez non, mardi. Mais non, mais non, mais non, c'est ça. Est-ce qu'on va tenter le concours tremplin 21 voix? Ça paraît compliqué, ce truc-là. C'est quoi la deadline? Je crois que c'est décembre en plus. Ouais. C'est compliqué parce qu'on doit penser à beaucoup de choses. Et se rajouter un concours tremplin en plus qui va se passer de manière virtuelle. Tu sais, c'est le fameux... Ouais, GTRP. Voilà, moi je suis à la rue hein, pour ça. Perso, je sais pas toi, mais moi je suis un peu à la rue. Du coup, ça me. De me dire, attends, faut penser à ça en plus parmi le milliard de trucs déjà. Moi j'ai pas regardé le détail, donc faut que je vois un petit peu les contraintes. J'ai regardé un peu la vidéo de présentation, mais. Ouais. Ouais, je sais pas. Okay. Donc du coup, je sais pas. Une blague nulle, attends, je dis la blague nulle pour Freya. C'est un quiz, mesdames et messieurs. Un quiz, attention, avec trois réponses possibles. Quel art divinatoire, pour le moins original, pratique le mage Aeramas dans le jeu vidéo The Witcher 3? Est-ce qu'il pratique la pissomancie, divination par le jet de pois sec? J'ai vraiment cru qu'ils allaient dire le chromiomancie, divination par les oignons, ou bien la tyromancie, la divination par le fromage? Oh putain, les trois sont nazes quand même. Hein. Ah ouais. Ah merde. Le alors, fromage? Non. J'attends les réponses. Freya qui a répondu à sa propre question, sa propre plaque geek. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont joué à The Witcher 3 et qui se rappellent cet art divinatoire pour le moins un peu commun? Les oignons, les pois chiches, les pois ou le... Can tente la divination par les oignons. Je dirais les oignons. Toi, tu dis les oignons? Bah ouais, ça tue les microbes. En vrai, je dirais un, dit Freya, par le jet de pois sec, par la pissomancie. Mm-hmm. Mm. En tout cas, je pratique l'art de la divination, que la prochaine blague sera claquée au sol, voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, la réponse est la tyromancie, ou divination par le fromage. À la fin de la quête, le joueur gagne l'émantaleur, une épée trouée. Eh ben bravo. Voilà. Ah ben putain, les développeurs. La divination par le fromton, c'est pas beau ça? Eh ben bravo, voilà. Bravo Freya, tu as trouvé. Vous savez tout. Voilà. Mais si. Incroyable. Figure-toi. Je me rappelle plus. Est-ce que tu l'as faite? Parce que c'est peut-être une quête secondaire en fait. Ah bah peut-être, ouais. Je sais plus. Moi je l'ai pas fait encore donc. Salut Truel. Truel qui. Voilà. Tu vois, tu as. Ah, on parle de Frometon, alors voilà. Une tartiflette we trust. Toujours resté sur sa première impression. La divination par la tartiflette. C'est beau ça? Coucou Truel, comment ça salut. Va? Salut. Truel qui nous aide à préparer la soirée Furvent. Tout à fait, merci beaucoup pour le coup de main. Et voilà, et puis on voit avec nos autres modérateurs qui sera là mardi. Merci Freya qui offre un sub à Seb. Un sub à Seb. Merci Freya. Merci pour le gift sub. Merci beaucoup Freya. Corbeau blanc. Merci pour le gift sub. Merci Freya Corbeau blanc. Ouais. Et salut Solid ouais. Seb. N'hésite pas à faire une requête de chansons, c'est bien comment ça marche. Fait, oh, c'est déjà fait. Oh, c'est formidable. Fait. Entre Magic Iron Sam et elle, bah, c'est bon, on est déjà bien là. Il y a déjà des trucs, tu vois. Bah, parfait.
Ah tiens, ça oui, parce que c'était une requête de wishlist, c'est pour ça qu'elle n'était pas encore une prio. Une requête de wishlist. La wishlist, tout à fait. Voilà, je vais mettre note. Je serai sur la route jusqu'à 23h, mais là en soi, dit Luc Marcheciel. Très bien, merci beaucoup pour l'information. Je m'enquiérerai peut-être de soutien modératique dans ce cas-là pour les trois premières heures du stream. Ouais, on demandera à Adma ce qu'elle fait. Ouais. Des volontaires après. Hein. Des volontaires. Il n'y aura pas des trucs très compliqués à faire en vrai, donc ça va. C'est vrai. Voilà. Voilà. Bon, bah... C'est parti ? Bah écoute, oui. Allez. 183 subs ! Comment ? C'est possible, ça ? Mais autant ? Non, mais c'est Dany de la Drôme qui parle, là. Combien ? C'est beaucoup. C'est fou, les alertes sont plus fortes. Enfin, elles sont plus définies avec ces ir là, donc je les entends plus fortes. Toi, ça va ? Non, j'ai dû mettre le son Windows un peu plus fort, j'imagine. Je suis branché sur le bon circuit de retour. Oui, je suis là. Tu veux commencer par ma compo ou Never Ending Story ? Je fais quoi sur ta compo ? Du bouzouki. Du bouzouki. Ouais, on fait ta compo. Viens. On n'est jamais vu en même temps sur le stream. Tintin. Oh, Astarioff qui offre un sub aussi. Mais Afraya. Hey. La vengeance. Asta, la requête prioritaire. Asta, il est en lurk pourtant. Mais ouais, il lurk, mais il a les oreilles qui traînent quand même. Il merci a la gâchette beaucoup. Facile. Merci beaucoup, Asta. En fait, Astarioff, c'est aussi Freya et c'est aussi Dany. Ah non, voilà. Non, j'ai rien dit, j'en ai offert 22. Ah voilà. Et 183 sur 200, ça j'allais doit être dire. Votre compteur à vous. Ah. Oui, c'est ça. Ça me fait 183. Wow. Je dis, mais quand est-ce qu'elle a eu le temps d'en faire 183 ? Personne n'a fait 183 gift subs sur cette chaîne. Non. A One Believer ? Ouais, peut-être. Salut Art Alex, comment ça va ? Tu bosses pas ce soir ? Étonnant. Au hasard. Bonjour. En tout cas, merci Asta beaucoup. Merci Asta. Ouais, parce que Freya, elle fait des gift subs, mais elle se sub pas. Ouais. Préfère. Ouais, je comprends, c'est pour avoir le passe-droit de la requête. Ouais. Merci Asta. On peut faire un jingle pour Asta. Ah non. Non. je fais moi. Ça va le faire toi. Moi, je peux pas. Oh, merci Astarioff pour le gift sub. Lala. Voilà. Merci, j'étais pas sûr de ta tonalité. T'as hésité. Oui. Voir passer le chien squelette. En fait, c'était ton beau bras. Tellement aucun rapport. Si, c'était blanc, c'était en bas de l'écran. Bravo. Je vérifie que ça marche. Voilà. C'est bon. Et ensuite, c'est dans... Ah ouais ? Tu cherches quoi, Becca ? Ben ouais, mais Gozik, ça me perturbe. Ah ouais ? Je cherche mes instruments. Ah. Du coup, je sais pas où ils sont. Dans clavier, je crois. Il est où ? Ah, il est là. C'est pas clair. Ah, je peux plus passer le chien ! Non, salut, rêve paf. Tu ne rêves pas, tout à fait. J'ai pas vu passer le chien. Ah... Alors attends, parce que est-ce que j'ai eu le temps de changer de scène, moi, parce que... Faudrait pas que ce soit le bordel. Hop là. On est parti pour ta compo, Rebecca. Ah, c'est bon, je suis sur le bouzouki. Attends, et toi, t'as ça. Pas fini. Ouais. Je l'ai raté complet, ouais. Oh, oh tu l'as raté. Oh, t'es le chier. T'es le chier. Ouais. Dommage. Ah, je ne te passe, c'est rien que je rapproche sur le micro. Rêve pas, t'es dans le dernier short YouTube. Ça me fait marrer. C'est vrai. Non, rêve pas, tu ne rêves pas. Oh chut, faut pas lui faire peur. Oh, faut pas le dire. Faut pas le... Chut. Non. Ok. Hop là. Ah oui, voilà, il fait froid en ce muchas moment. Muchas banana. Ah, muchas, bonsoir. Ok, on est parti. C'est bon pour toi, Rebecca ? Évidemment, dans l'idéal, il faut rappuyer. Ah, tu veux que j'appuie sur un ré de temps en temps, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je te ferai ça. C'est parti, mesdames et messieurs, une composition de Becky qui s'appelle Trésor. Tu peux même aller de là. Ah,
Oh.
Gigapouette. Gigapouette. Ah, oh, le gigapouette. Ça, c'était du pouette, ça. Merci beaucoup, Amandine Pierre, pour le follow. Pendant la chanson, bienvenue à toi, Amandine Pierre. La garde. Oh, là, d'accord, ok. Non ? Si, si, si. Ça, c'est du travail d'équipe, t'as vu ? C'était compliqué, hein ? Silent clap, silent clap. Ah, ça, c'est bien. Merci pour les claps. Et salut à... Bonjour. Merci pour vos trèfles et merci pour vos pétales de rose. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Non, c'est bon, c'est ça, ça a été. C'est bon, tout va bien. Très bien. Ah oui, c'est ça, la cam 6 est fossilisée, la cam 7, je l'ai pas du tout cadrée. Ah. Ça va pas du tout, j'ai zappé de faire ça. Salut Sarah Décor. Oh, Carte, bonsoir. Elle est même pas sur la alimentation. 30 mois, Sarah Décor. Merci. Et merci Kogen. Merci pour tes claps, bienvenue à toi. Comment aller à vue ? Il y a trop de trucs qui vont pas. Ah mince. J'ai oublié de mettre la cam 7 sur la... Ça. J'ai pas à le cadrer ça. Ça là, elle s'est figée. C'est ça en fait, voilà. D'accord. Non, mais blague, tiens, pendant ce temps-là, je lis la blague. Ah ouais, ouais, vas-y, prends ton temps même. Ah bon ? On a la fille du Père Noël déjà. Pourquoi ? Ah, ben j'ai oublié d'enlever ça. Peut-être. C'est pas encore Noël, hein. Hop là. Fais pas les chansons de Noël, hein. Et quand est-ce qu'on les a réactivées déjà, les chansons ? Salut le Seb ! Ah, le Seb, on a reçu le ballon. N'hésite pas à faire une requête, le Seb, merci pour le ballon. Truelle, je vais te lire ça pendant que Julien fait les petits, des petits ajustements caméra. Très bien. Voilà, voilà. Je vous lis en même temps. Et la blague geek. Alors, on est à quelle date ? On est au 19 août, figurez-vous. Alors, c'est une question. Une question sans doute pas très intéressante. Hein, mais quel petit nom donne-t-on au sexe de la schtroumpfette ? Ah, c'est une blague, pardon. Ouais, c'est une blague. Elle est connue, je crois. Ouais, c'est loin de la fin. Mais oui, Can, c'est la Bluetooth. Exactement. Voilà. Je reviens, ça parle de touffe, super. Ah bah oui, c'est le sexe de la schtroumpfette. La Bluetooth. Ah. Et bien, voilà, c'est un jeu de mots. Voilà. Et ça tombe bien, parce que le jour est bleu. T'as vu ? On l'a pas déjà eu celle-là ? Ben. Certainement une autre touffe, j'imagine. Ouais, sans doute. Peut-être une super touffe. Une super touffe, voilà, j'allais la faire aussi celle-là. Attention, j'arrive ! Ah non ! Ah oui, c'est vrai, tu t'es pas branché. C'est ça. Bon, voilà. Voilà, vous saurez tout sur la toutouffe. Voilà, c'est tellement de bon goût, n'est-ce pas ? Tu comprends, c'est le black geek. Faut que ce soit sexuel. Voilà. Super. Il y a encore le nez rouge. Et je me suis pas gratté, hein. Avec un de lavant rouge. Elle a trop picolé. Je me jette. Ah. Ouais, fais gaffe, Mathéhir. Voilà. C'est bon. Donc là, dans la cam de Becky, rien ne va plus. Tout à fait. C'est bon, ça c'est fait. Ensuite, on débloque la caméra. Si, c'est on est bon. Oui, bah ouais, ouais. Ah, voilà. Bon, vous avez fait des requêtes en attendant. Hein, n'est-ce pas ? Notamment le Seb. Ouais, ils ont fait des requêtes, hein. Sparadra ? C'est qui Sparadra ? On dirait Sparadra. Je sais pas. Je sais pas la ref. Ah non, dans les descriptions du chat squelette, c'est écrit squelette. Ouais, ouais, c'est, un, c'est. J'ai pas d'explication. De toute façon, pareil, ça aussi, à partir de Furvent, il n'y a plus. Oui. Hein. C'est vrai, profitez-en. C'est les derniers streams où vous allez pouvoir utiliser. Ah bah oui, donc c'est le dernier stream des squelettes et des zombies et du tout. Du chien, du fantôme, tout ça. Profitez-en. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est fait. Oui. Ensuite, je prends la souris. Vas-y. Je prends la souris en otage. Très bien. Hop, mode studio. C922. Ah ouais, donc la caméra du passé, on disait... Ah, le chien ! Le chien ! Et donc, en théorie, on devrait avoir un Never Ending Story. Ouais. Là, maintenant. D'accord. Voilà, je te le dis. Ok, bah évidemment. Ah, Sparadra de la série Internet Noob. Ça fait... Ah oui, 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 oui. Ah, ça dit quelque chose, toi ? Oh, c'est vieux, Noob. Ouais. Je les ai pas tous eus, les Noobs. Mais c'était bien, à l'époque. Ouais. J'en ai vu qu'un, je crois. Oh. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas un lien, d'ailleurs, avec...
C'est vrai qu'on pourrait mettre des apparitions de Noël. Oui, bah c'est, je l'ai pas dit, mais c'est bien sûr. Ça sera en remplacement, évidemment, du chien, tout ça. T'as déjà des idées ? Non, mais je trouverai. Je trouverai des trucs, je pense. En Bluetooth de la souris. Voilà, voilà. Voilà, normalement, c'est bon, la caméra 6 va mieux. Il faut que je trouve aussi... De quoi décorer au mur ? Ouais, parce qu'en fait, on pourra pas mettre le gros sapin. Non, y a pas la place cette année. Donc, faut que je trouve un moyen. Mais j'ai des idées, mais il faut que je... Voilà, bonsoir, The Kobe. Un chien de Noël ? Non, peut-être un renne, plutôt qu'un chien. Oui. Ah ouais, je sais, il y avait ça aussi. Attends, juste une seconde. Attends. Voilà, parce que lui, il était pas d'accord tout à l'heure. J'ai appuyé. Ah, mais reviens ! Mais non. Un sapin mural, voilà, c'est ça. Si, on va faire ça. Ouais, un sapin mural, ouais. T'as d'ailleurs le Seb, il a récupéré un chat. Un chat ? Un chat. Comment ça va avec ton chat ? On n'a pas vu les photos sur Discord, si ? Mm-hmm. Ouais, le fantôme. Ouais. Ok, ça devrait marcher. Faudra qu'on voit. Je dois regarder l'agenda. C'est bon, je crois que c'est bon, j'ai tout réparé. Bonjour, Mathieu. Salut, Mathieu. Guirlande sur le pied de micro. Voyons voir. Ça peut s'envisager, ouais. Mmh. Le mien, ça peut, carrément. Bah, le mien aussi. Le tien aussi. Ouais, c'est pas con. Si vous avez des idées pour les décorations. C'est ce qu'on avait fait. Si vous avez des idées pour les décorations de Noël, n'hésitez pas à faire pour exclamation idée à mettre vos idées décorations de Noël. Ça lui mettra dans un salon Discord où on pourra les regarder après le stream. Sinon, on va les oublier. Oui, Rebecca, pardon. On avait fait ça. Ouais. Cette guirlande qui. Ah, cool. On avait fait ça. Exclamation idée. Un chaton, et elle va bien. Ça va, elle est bien. Donc, c'est une femelle. Tu l'as appelée comment ? Je regarde la songlist, je sais qu'on a de toute façon Neverending Story, mais. Ouh. Ah, faut que je mette en capot pour Neverending Story. Oui. A story! Ah, il m'a gardé trésor, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est toi? Je dis, tiens, c'est marrant cette ambiance. Ambiance. C'est bon là, une fois qu'on va être parti, on va être bien là. De quoi ? De niveau technique. Ah oui. Désolé pour la petite interruption des programmes pour la technique, c'est bon, ça va bien. Défi au hasard. Très bien, j'ai ça, je sais où c'est. Hop, défi au hasard pour Matthew. Requête prioritaire et défi au hasard. Si jamais la requête ne te convient pas, enfin le défi ne te convient pas, tu peux relancer la roue des défis grâce à d'autres points de chaîne. Si tu cherches, normalement la récompense existe. Matthew, ce sera un défi, une chanson sans rire. Oh. Oh. Enfin, de déconcentration, alors. C'est plutôt ça, ouais. Faudrait que je vérifie si c'est bien ça, mais ouais. Chanson de déconcentration, donc ça dépend qui la chante. Mais... Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui la chante. Bon, s'il y a des chœurs, du coup, on fait pas les chœurs. Hein. Parce que sinon, on peut pas se déconcentrer. Ah, bah, je sais pas. Non. Bah, si, tu fais des chœurs, la con. Alors, non. Alors, pas le pudding à l'arsenic, pas Emmenez-moi, pas Snack Bar chez Léon. Ouais, c'est d'être créatif. Et pas Le Lion est mort ce soir... Quoique, elle est pas trop sortie, celle-ci, en vrai, pour les défis. Qu'est-ce qui est beaucoup sorti ? Pas La Vie en Rose. Qu'est-ce qui est beaucoup sorti pour les défis aussi ? Pas Denver ni les Tortues Ninja. réfléchis, hein, pour pas avoir des redites. Voilà, en gros. Je crois que c'est celle qui sort le plus. Il me semble. Je trouve pas le... Toi, qu'est-ce que tu cherches ? La songlist. C'est la où son... Ah, je l'ai... Il s'est pas ouvert. Il s'est refermé, peut-être. Il s'est refermé, ouais. Ouais, oui, c'est pas lancé tout court. Si, je l'ai utilisé, donc... Ok. Oh, attends, il est où ? Non, je vais te... Ouais. Je m'en occupe. Si tu veux Dumb Ways to Die, tu fais point d'exclamation SR, Dumb Ways to Die, et toi, tu es sur téléphone. Dumb Ways toi dit. Tiens, voilà, Rebecca. Merci. Ah, on aura Space Oddity pour Asta. Cool. Et donc, Dumb Ways to Die, après. Donc, c'est toi qui la chante. Oui, bah c'est toi, tu feras... Tu et il faudra que j'essaie de te déconcentrer pour que tu ris. Fasse de la merde. Ouais, pour que tu fasses de la merde, exactement. Alors c'est sûr, parce que c'est moi qui accompagne, et toi, tu étais tranquille à peu près sur celle-ci. Mm. Ah, une guirlande clignotant dans les caisses de guitare. En vrai, ça va faire gling, 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 ça. Dans la caisse de la guitare ? Et le problème, c'est qu'il faut l'alimenter avec des piles. Et puis ça se verra pas ? Ça va se voir un tout petit peu, mais... Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est avec des piles, ouais. Ok, je regarderai Seb. Bon, regarde-moi, ouais, faut que je vois. Très bien, non, très bien. Le Seb, ça c'est le défi qui s'appelle Becky et les LOLCAT.
Ouais, c'est ça. À tout moment, vous pouvez, grâce à suffisamment de points de chaîne, choisir le défi dans une liste de défis. Si vous faites point défi, vous verrez la liste des défis qui existent. Mm. Si vous dépensez suffisamment de points de chaîne, vous pouvez choisir le défi et non pas l'avoir en aléatoire grâce à la roue. Voilà. C'est pas beaucoup plus cher en vrai. Et voilà. Bon, j'avais ouvert ça pour tester un truc, tu peux fermer. Ok. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Ah waouh. Clac clac. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, faut pas que j'oublie mon mi bémol, il est là. Ouais, mon mi bémol. Eh oui, oui. J'ai le capot, ouais. Alors forcément. Ok. Pour toi, Sam. Merci. Sam. Soudain, beaucoup trop de réverb. Sam. En soudain. Sam. Ok, allez, c'est parti. Let's go. Look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe, mi bémol. Make believe I'm everywhere, hidden in the lines, written on the pages. Never ending story.
Espèce de troll. Ah, c'est effectivement une chanson sans fin. Never ending song. J'ai aucune explication. La patate du Calvados, c'est ton acquis, Régétel. Bonsoir. Bonjour. Oh, ma chanson merci d'abord. Merci, la patate. Ça marche. Ah, dommage. Dommage que les caméras répondaient plus, effectivement, pour la boucle. Oh non. Eh oui. Oh non. Eh, va savoir pourquoi. Aucune. Alors, par contre. Vous lui avez trop secoué la nouille, c'est ça? Avouez. Merci, j'étais pour le Hydrate Now. Un live sans fin. Ah, ce serait bien, ça. C'est un sebaton, finalement. C'est ça. Never ending stream. Merci, la patate. J'éclipse cette boucle qui dit. Merci, merci, Rfpaf. Qui dit? Est-ce que le. Oh, c'est bon, le bot est réparé aussi? Parce que la dernière fois, tu sais, pendant ton live, il y avait des trucs qui passaient pas du tout. Ah ouais? Avec l'automode, tu sais? Ah oui, non, ce l'automode, oui, effectivement. Ouais, ouais. Va savoir. J'attends impatiemment ma requête hors répertoire quand j'aurai les points. Alors, n'oublie pas de vérifier les conditions. Si tu cliques sur cette récompense de points de chaîne, il y a un lien. Je t'invite à l'ouvrir et à lire en détail ce qu'il y a écrit. Voilà. Avant que tu te hype peut-être trop. Le sabaton. Non, c'est pas ça. C'est pas pareil, le point Josiel. C'est pas le même groupe. N'oubliez pas, mardi soir, il y a un live spécial, faut venir à 20h. Venez. Il y a des invités. C'est pas un live comme d'habitude, venez. Viens. S'il vous plaît. Viens. Ah, merci, muchas bananas. Je précise, hein, parce qu'il y a des gens qui pourraient se hyper, qui feraient « Ah, mais je peux pas demander du death metal, oh, pourquoi ?» Enfin, tu vois, ça pourrait arriver. Donc, au cas où, j'ai mis une petite notice des fois que... Ah. C'est bien, c'est bien. Du coup, je suis vachement intrigué, muchas bananas. Alors, j'enlève mon capot, je me raccorde. Et oui, parce que maintenant, c'est Space Oddity pour Astarioth. Ouais. Après, on aura Dumb Ways to Die pour Mathieu avec le défi déconcentration. Et La Naufragée pour Truyal. Je me demande si je viens pas de faire ce morceau avec le preset de Bouzouki, tu vois. Ah. C'est pas improbable que j'ai oublié de me repasser en guitare. D'ailleurs, je vais faire ça, voyons voir. Guitare. Occasion. Peut-être. Écoute. Peut-être. C'est pas improbable. Attends, je me rappelle plus la dernière fois ce que j'avais demandé d'ailleurs. Alors, il y a une commande pour ça. Point d'exclamation top. Ah oh ? Bah oui, pour voir le détail de ce que les gens ont demandé. Ah ouais ? D'accord, ok. Très bien. Ah oui. Mis au bon endroit. Toup, 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 toup. Non ? Ah bah elle a peut-être été désactivée. Ah oui, c'est probable puisqu'on fait plus les tops. Donc elle n'existe plus. Mais je pense pas que ça renvoyait vers un lien. Si, si. D'accord, ok. Bah ah, elle est juste inactive, écoute. Ah bah je me suis fait chier à faire des liens, monsieur. Donc ouais, c'est dommage parce qu'en fait on voit le détail de qui a demandé quoi. Et ben je la réactiverai. Magic Harrison qui part en l'heure en disant mon mal de crâne vénère ne me laisse pas le choix. Bon courage, Magic Harrison, n'hésite pas à prendre un Nurofen 400 flash si jamais tu as ça en stock. Mais attention, ça défonce un peu le bide. Allez, bon courage. Je vais te réactiver ta commande, Rebecca. Ouais, ouais, mais de toute façon, j'ai plus. Ouais. Hop. J'ai plus. Sniff. Non, non, c'est bon, tu peux ne pas chercher, je pense pas que tu l'aies. Ouais. Ouais. Muchas bananas, je sais plus. Never ending story. Attends, je peux chercher. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Mais c'était un timer, non? Non, c'est bon, c'est pas un timer. Never ending story. Voilà. Voilà, on met juste c'était l'ancienne commande et donc ça permet de voir. Donc toi, faut aller dans l'onglet correspondant évidemment. Bah non, c'est bon. Mais je l'avais enlevé parce qu'elle n'est plus d'actualité. Oui, je sais. Donc elle divulguait des fausses informations. Alors Muchas, il est où? Mais il y est pas. C'est pour ça que je comprends pas ce que tu racontes. Ah bah oui, en fait. C'est pour ça que je voyais pas le rapport. Mais je pensais. Tu vois, il dit il y a une chanson. Non, effectivement. Non, pas du tout. Tu n'es pas concerné, Muchas Bananas. Bah non, pas du tout. Voilà, j'ai eu un doute, mais je me doutais bien aussi. Que. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut partager le clip sur le chat? Ouais, tu peux même le même. Voilà. Et surtout, tu peux le mettre sur le Discord, dans le salon clip. Ah oui. Voilà. Exact. Ah ouais, il y a quelques personnes en attente. Allez, on fait de la musique ? Oui. J'arrive. On a dit Space Oddity pour Astarioth. Ah, merci Luc Marchessiel. Ouais, sinon je relancerai soit un bot, soit j'appuierai sur le pédalier. Ça va mettre la soirée pour m'en rappeler. J'arrivais pas à dormir avant de savoir si je me connais. Du coup, je sais pas. Moi non plus. Je sais pas de quoi tu parlais, Muchas.
Non, je suis jamais top gift. Bah alors, tu parles de quoi ? Je n'ai aucune idée. Je propose qu'on fasse de la musique. Mm-hmm. Ok. Eh ben, on est parti pour Asta. Blue, and there's nothing I can do.
Marc. Hein. Bonsoir, Bibi le Fantôme, merci beaucoup. Bon, tu vois, c'est bon, Rower, les caméras ont remarché à nouveau. Ouf. Merci. Merci. C'est mortel. Ah. Oh, c'est mortel. Merci, merci, merci. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Bon, on l'a fait en concert, mais. Oui, on l'a fait en concert, ouais. Effectivement, on l'a fait vendredi, mais. Ouais. Mais sur le stream, je crois que ça faisait un moment qu'elle était peut-être pas passée. On l'a fait il n'y a pas si longtemps, je crois. D'accord. Salut Gaëlle, comment ça va? Bonsoir Gaëlle. Voilà, cette montée. Merci en tout cas. Et salut Heure Suprême, les gentils humains. Les méchants, non, on leur dit pas bonjour. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a Dumb West Today maintenant avec la. Le défi des concentrations, je vais tellement. Je sais pas, il faut que je sois inspiré, Rebecca. Ah, une blague geek. C'est tellement facile. Je répète, une blague geek. Ah, j'y arrive, j'y arrive. Planet Earth. J'ouvre déjà ça comme ça, c'est fait. And there's nothing I can do. La blague geek, pas drôle. Tiens, Julien. Tiens, moi. Tiens, Julien. Merci. Alors. Vous êtes un geek si vous savez que un Matson ratio à ce serial spawn killer veut dire, dis donc, ce joueur qui tue froidement les autres lors de leur apparition ne mérite pas tout à fait son score. Tu as dit trop vite, du coup, j'ai l'impression que t'as dit de... J'ai des mots que j'ai compris, mais t'as dit ça tellement vite. Un Matson ratio à ce serial spawn killer. Voilà, c'est bon. Pitoyable. Pourquoi un gaulois? Ben oui, je sais. Préparez-vous à rire, voilà. Tu peux voilà. Le lire si tu veux. Parce que t'as dit avec un accent en fait. Du coup, t'es. Ah, ça, t'in, j'ai dit t'in avec l'accent. Ouais, mais du coup, j'ai pas compris. C'est peut-être Spawn Killer, t'as pas l'habitude. Spawn Kill. Mais je connais. Ouais. D'accord. Non, mais oh. C'est un endroit à peu près en Franche-Comté, oh. Tu sais. Tu sais, j'ai joué à Guild Wars, moi, monsieur. Bon, il y a des Spawn Killers dans Guild Wars. Bien sûr. Mmh. Ouh. C'est pas possible. Ouh. C'est pas du PVP. Mais c'est sans alcool. Voilà. Bonsoir, on a encore rien compris. Ah oui, c'est. Bah, voilà. Ça dépend des jeux auxquels vous jouez. Ah, par contre, c'était nul, ça change pas. Hein. Oui, c'était pas intéressant, quoi. Comment ça va, Isor? Ah, re-blague geek? Non, c'est celle bon. Qui vient de tomber. J'ai eu peur. Ah, voilà. Les épéistes verts. Salut, Bibi. Bah alors? Quoi? Ah oui, voilà, c'est parce que bizarrement, j'ai pas vu ton nom. Salut. C'était nul. Je peux pas trop sourire, ça me fait mal à l'oreille gauche maintenant. Ah ouais, un spoon killer, un tueur à petite cuillère. Ah oui, un spoon killer, effectivement. Voilà. Je suis solo, trop de choses à faire avec les... D'ailleurs, c'est bien passé le week-end. Prends un tuba. Pardon. C'est avec qui? Au marché. Ah. Elle faisait un marché. Ce marche à Riff. Merci. T'as vu? J'ai même pas appuyé ici que ça s'est grisé. Ah ouais? Étrange. Alors, les défis. Merci. Merci beaucoup. C'est ça qu'on veut. Dumb West Today, on va voir à quel point je vais me faire pipi non. Dessus. Mais non, Rebecca, je vais être gentil. Attends, il faut que je... Je suis plus connecté, là. Fais voir. T'es connecté. Ça, comme ça. C'est quelqu'un. Ah, oui. Voyons voir. Donc... Alors, attends, il faut qu'on illustre, Rebecca. Oui. Tu es prête? Alors, il faut savoir que Rebecca ne peut pas tenir le regard. Sans rire. Attends, on fait une barbichette de loin, Rebecca. Non, non, non. Bah si, si. Non. Bah regarde-moi. Mais non. Rebecca. Non. Rebecca. Mais tu triches. Tu vois? On n'a même pas lancé. C'est pas... Voilà. Non, tu triches. Vous savez. Vous tu savez triches. Maintenant. Mais tu sais que je vais te regarder pendant toute la chanson, Rebecca. Peut-être je peux même te faire rire sans rien dire. Tu es prête? Peut-être, hein. Set fire to your hair. T'as de la chance que je règle la réverbe. Acoustic at a grizzly bear. It's medicine that's out of date. Use a private parts as parry on a bay. Ouais, super. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ça va. Get your toast out with the fork. C'est faux. Your own electrical work. Teach yourself. Touch yourself. How to fly. Comment? 2 week old. Ah, mais c'est dégueulasse. Goodbye. Dumb ways to die. Touch yourself ou ça?
so many dumb touch yourself how to fly. Ah, les accords. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Ah oui, le conseil de Gaël, c'est faut penser à des petits chats. Ouais. Si je fais prêt. Ah, d'accord, c'est là. But a psycho killer inside scratch a drug dealer's brain you ride. Take your helmet off. Oui. In outer space, you're the closest try as a hiding place. Refrain. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways. Attention, mec, je dois sortir mon arme ultime. Non, 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 non. Le strabisme. Pardon, j'entends pas bien. On capte plus, Rebecca. The tube. I wonder why this red button. Oh, ways to die. So many dumb ways to die. Ah, pas le bon accord. To die. Far. Dumb ways. Je vois plus les accords, moi. C'est vrai qu'il y en a rien, non? Ouais, voilà. So many dumb ways to die. Ok, le pont, le bridge. Dress up like a moose during hunting season. Oui. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of a train station platform. Drive around the boom, get a level crossing. Run across the tracks between the platform. They may not ride, but they quite possibly. The best ways to die. The best ways to die. The best ways to die. So many dumb. So many dumb. Non, c'est moi qui dis. C'est là. So many dumb. So many dumb ways to die. Soyez prudent au passage à niveau, sinon vous finirez dans le caniveau. Merci, l'imitation faciale de Jonathan. Quoi? Oui, tout à fait. Eh, j'étais obligé, Rebecca. C'est pas fair play, mais je suis obligé. Merci. Ouais. Non, mais c'est plus efficace qu'un lolcat. Hein. Je sais pas. Non, pas forcément. Merci beaucoup. Si, si. Voilà. T'as vu, Rebecca morte de rire. Non, mais t'as bien géré, ça va, ça peut être pire. 410 potions ? Mais c'est beaucoup, 410 ! Ezor. Bientôt le dodo, ouais. C'est le défi est un échec, il se passe quoi ? Bah, c'était magnifiquement un échec, donc du coup, il se passe rien. On s'est bien marré. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? C'est vrai qu'on n'a pas défini de. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que ce serait systématiquement un échec. Tu ne peux pas ne pas rire, Rebecca. Bah, du coup, qu'est-ce qu'un échec ? Rebecca, regarde-moi. Est-ce que... Tu vois, c'est pas possible. Comment ? Un échec. T'offres un abonnement à quelqu'un. Bah, c'est... Le défi, c'est ne pas rire. Oui, mais. L'échec, non, mais... c'est rire. Ouais, mais. Bah, tu vois. Elle a déjà envie de rire, c'est rien passé. Il s'est... Bah, non, mais voilà. Mais voilà, je t'ai... on peut dire que. C'est qui a dit ça ? C'est Amaterasu. C'était le spawn kill, finalement, là. Tu vois ? Oui, mais. T'es à peine oui. arrivé dans la chanson. Hop ! Ouais, ouais, ouais. Petite balayette du rire. Nul. Pourquoi Carla Bruni ? Parce qu'on n'entend plus rien. Rebecca Carla Bruni. Ah, peut-être. Elle peut même plus démarrer la musique. C'est ça. Bah ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Non, mais c'est tout. Non, mais elle ouais. va s'immuniser à force. Au bout de 3-4 défis, peut-être, non ? Non. Non, le trapisme, ça marchera toujours ? Tu crois ? Je sais pas, mais en tout cas, ça me fait marrer. Non, mais... Ah, tu vois, si, un peu quand même. Ouais, mais il y a du contexte aussi. Il y a du, y a oui, du non, passif. Mais on valide, évidemment, on valide, ouais. on valide. Merci bien. Merci d'avoir fait vivre l'un des défis. C'est très sympa, toi, Matthew. Fais vivre le défi. Bah ouais. Alors ensuite, on a Truel. Ouais, la naufragée. Voilà. Grâce au point de chaîne, ma chanson d'abord. Voilà. Ça, c'est beau. Dépense ces points de chaîne. Ça me gratte. Ça te gratte ? Non, ça va. Alors, allons voir la guitare électrique. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je me remets de mes émotions. Oh. Hop là. Merci également à ceux qui ont pensé de clipper. Alors, la fois, je demande avant un moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, on avait dit une fois sur deux, quoi. Pourquoi ? Non, vas-y, une mais fois sur deux, c'est bien. Peut-être une fois qu'il sur est deux. Pas là, les prochaines ah, fois. Ah, c'est vrai. Peut-être. Tu vas où ?
Tu vas où? Reviens! Attends, j'ai perdu mon niveau. Ah, il est là. Ah non, ça va, je l'ai pas perdu longtemps. Oh, j'ai perdu mon. J'ai pas. Ah, c'est bon. L'histoire de ma vie. Ah, c'est où? C'est là. La musique. Alors, ah oui, le preset de guitare électrique. J'arrive. Voilà. Tac. Ouais. Oh, Clenval! Juste de passage, des bisous, Clenval. Comment ça va? Bah, justement, une fois sur deux, c'est beaucoup. Ah, c'est le cycle éternel. Oh, il y a déjà le délai. C'est beaucoup trop. Le tricheur. Ouais, Truel, il a le droit, il a l'épée. C'est quoi déjà le tempo? Faut qu'un. Justement, faut pas que je la fasse trop lente, celle-là. Mais ils sont mes délais. Ok, on verra ça. Ça marche. Ouais, c'est comme ça qu'on va rattraper les 30-36 fois de Ghost Memories. Non, elle a combien de fois, d'ailleurs, la naufragée? Elle a combien? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est vrai, ça. Bon, alors d'accord. Sinon, on fera voter le chat, hein, Rebecca. Parce que c'est truel, elle disait... Bon, ah, je suis modérateur, du coup, je peux bypasser le cooldown de request de la naufragée. Mais est-ce que je le fais quand même ou pas? Et je lui dis, ah, peut-être, histoire de se faire play avec les autres une fois sur deux. Mais du coup, c'est vrai qu'avec une fois sur deux, on va jamais rattraper. Donc, si jamais le chat est d'accord d'avoir la naufragée à chaque stream, et toi aussi, Rebecca, on peut très bien l'avoir à chaque stream. Après, j'ai d'autres choses. Boom, baby! Cette violence. C'était un peu surpris. Salut, Neveltac. Boom, baby. Bah après, il y a d'autres chansons, tu sais, avec Delibo, Truel. 39? Il y a Charme d'humanité avec de... Voilà, il y a La Maison Souvenir. C'est vrai. Et c'est tout? Je crois que c'est tout. Allez, j'essaie de la faire de tête. Trop de délai. C'est parti. Je
déjà fini. Salut quoi, les cahuètes. Hey. Merci pour les... Quoi, quoi? Vas-y, finis. Salut quoi, les cahuètes. Merci, pour... merci pour les... Pour les ballons et pour les, les cordes de guitare. Cool, oui, vas-y, mais j'ai fini. Ah. Je voulais intervenir après, mais fais ta ah, phrase. Ah, d'accord, putain, mais je croyais qu'il fallait que je rien dise rien. Non, vas-y. Merci, quoi, Kawette. N'hésite pas à faire une requête de chansons, merci beaucoup, on a bien reçu. Hé hey. C'était vachement sympa, cette petite distorsion, là, sur le... Comme ça, à la fin, là. Je sais pas. T'as eu un petit glaire, non? Qu'est-ce que... Oui, oui. Ça, écoute, c'est bien. Le fait de rigoler avant, ça. Comme ça, là, arraché un petit peu... C'est cool. Voilà, c'est tout. Sauf c'est que, tout, sauf que t'as commencé à dire merci, quoi, Kawette. Du coup, je vais... Hop, pardon. Voilà. J'ai tellement réécouté le morceau dernier stream ainsi que les 10 minutes qui suivent. C'était quoi les 10 minutes qui suivent? Je sais plus ce qu'on avait qu'on fait. On a dit quoi? À part faire. Ah, c'est parce que t'avais fait des petits machins à la guitare pendant qu'on parlait, je crois. Ouais, mais du coup. Je pense que c'était ça. Les nappes de guitare, voilà, c'est ça. Ah ouais? J'ai fait comme nappe de guitare. Si, moi je me souviens que t'avais fait des trucs. Bah, je sais plus quoi exactement, mais. Ouais. Ouais. Non mais c'est bien, mais non mais en vrai vous vous rendez pas compte, mais ça change tout d'avoir hier défini. Ah oui d'ailleurs. Ah non non mais. Tu me défonces, faut que je te mette moins forte parce qu'en fait je t'entends tellement net maintenant que tu me défonces les oreilles. Faut que je baisse ton niveau en vrai. C'est génial en fait. Ah la chanson Obstacle, c'est vrai le. Ouais celle-là. C'est un Ibo point d'exclamation Ibo pour répondre à Axel. Il faut vraiment qu'on la fasse un jour. Pardon, j'ai pas de capot, du coup c'est galère, je mets son capot. Je fais des barrés hyper relous. Voilà, mais oui, il faut la faire. Tu as la définition de Ibo. C'est ça. Voilà. Mais bon, parmi le milliard de choses qu'on doit faire, tu sais très bien, Julien. Oui, mais après, Rebecca, il faudrait qu'on voit si on peut pas développer, développer l'idée, débloquer l'idée de faire des live learn, un slot de live learn pendant les streams, tu vois. Voilà quoi. Pour essayer d'avancer sur un morceau éventuellement, tu vois. Celui-ci, en vrai. En vrai, il n'est pas très compliqué. Ouais, celui-là. Mais bon, par exemple, avoir les paroles, des fois, ça demande un peu de. Enfin, moi, il me faut moi je les ai, mais ce qu'il faut jouer à chanter, c'est un peu chiant. Donc, je peux te guider pour les apprendre plus vite s'il faut. Waouh! Ouais. Parce que chacun sa méthode pour apprendre, hein, ouais, tu vois. Mais... C'est vrai. Mais ça va, il n'y a pas des rythmes trop chelous. Il y a juste non, des inflexions non, à deux, trois endroits. Il faut les savoir. Tu sais, ouais. Ouais. Tu imprimes et puis après, tu gribouilles, toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. Hop. Allez, je range donc la guitare merci, avec merci Truelle pour cette requête. Oh, je suis un homme qui a été bumpé par Rower. Je sais ce qu'on peut faire, Truelle. À la limite, tu la demandes à chaque stream. Mais. Et t'essaies de trouver des gens pour la bumper. Voilà, s'il y a suffisamment de gens qui la bump, bah on la joue. Parce que là, c'est plus une demande unique. Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? C'est une proposition. Ça te gênerait, toi? Non, mais après, c'est ma chanson, ça va. Hein. Ça non, mais peut-être que, étant donné qu'on a installé cette histoire de cooldown pour pas avoir les mêmes morceaux à chaque stream, oui. Est-ce que dans l'optique-là, ça te convient toujours? Oui, mais tout me convient, moi, même si... Ah bon? Même si on joue trois fois d'affilée Space Oddity? Trois fois d'affilée stream par stream? Non, parce que les compos, c'est pas pareil que les, d'accord, les covers. Voilà, je voulais un éclaircissement là-dessus. Ouais. Bon, bah écoute, Truelle, voilà. Hein. Non, mais je peux changer de requête, ça me dérange pas. Comme tu veux, écoute, mais... voilà, c'était, je pense, il y a moyen de faire quelque chose comme ça. Hop là. Donc effectivement, il y a Je suis un homme qui a été demandé par Materetsu et Rower. Donc là, on va essayer de voilà, de faire bah, des choses qui sont plébiscitées par plusieurs personnes. Ouais. Voilà, on va faire ça. merci Axel. Bah après, on peut en avoir marre, hein, tu vois. Je sais pas. C'est une vraie question. Alors je vous la pose. Vous allez me donner votre avis. Moi, ça m'a toujours fait peur, en fait, les concerts où il y a la même setlist, tu vois, genre le même programme. Et ça m'a toujours... C'est-à-dire ? Ça m'a toujours gêné, moi, en tant qu'artiste, ouais, de faire ça, de faire la même setlist dans le même ordre à chaque concert, tu vois. Quel est le problème si le public est différent à chaque fois ? Ben, je sais pas. J'en sais rien. Parce que, après, s'il n'y a pas le même public, le seul problème, c'est vis-à-vis de toi-même. Ouais, ouais, mais en fait. Bon, après, j'imagine une différence quand c'est de la compo et quand c'est de la reprise. Mais en tout cas, nous, dans le cadre des reprises, tu vois,
Bon, déjà aussi parce qu'on a beaucoup de chansons et qu'on est obligé de tenir 3 heures, tu vois, mais... je sais pas. Là, par exemple, tu vois, on va jouer au restaurant, on peut pas faire tout le temps le même ordre de chansons, tu vois. On peut si même c'est les pas mêmes les mêmes clients, c'est pas trop un problème, en vrai. Ah, il y en a qui reviennent, hein. Oui, mais ils reviennent pas, on joue pas tous les 2 jours au restaurant. Ouais, mais je sais pas. On revient un mois après, ils ont eu le temps d'oublier ce qu'on avait fait. Je sais pas. Et au pire, ils disent, ah ouais, ils avaient joué celle-là la dernière fois, c'est trop bien, écoute. Ouais, ils ont ramené d'autres gens. Ou, voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de ça? Parce que, tu vois, par exemple, je prends l'exemple des Celtic Tramps, tu vois, que j'aime beaucoup. Et eux, en fait, leur setlist, quand je vois des vidéos, bon, après, c'est toujours, faut pas se baser sur ça, mais quand je vois des stories de leurs concerts, j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes chansons qui reviennent tout le temps. Et pourtant, ça commence ils ont le même répertoire, après, j'imagine. Oui, mais voilà. Et après, bah, évidemment, les gens filment toujours les chansons les plus hypantes, plus dynamiques, les plus... Tu vois, c'est comme nous, on a... Tu vois, les gens vont tout de suite filmer quand on fait « Emmenez-moi », par exemple, ou des morceaux qui pètent. Les gens prennent pas leur téléphone au début du concert quand on fait des morceaux calmes, par exemple. Ouais. Donc on a l'impression qu'on fait tout le temps les mêmes chansons, c'est terrible. En tant que spectateur, j'espère avoir la même chose que les autres villes et pas rater quelque chose. Après, c'est le même concert pendant 10 ans, ouais. Non, effectivement. Effectivement. Moi, je veux bien les compos de Rebecca à chaque stream, merci. Ça. Oh, c'est mignon. Truel dit, j'en pense comme Julien. Donc, que si c'est pas le même public, c'est pas grave. Ouais. A priori. Mais il y en a, tu sais, ils reviennent à chaque concert. C'est vrai. Fan hardcore, tu vois, je suis embêtée avec ça, moi. Après, s'ils reviennent, c'est qu'ils ont bien aimé la première fois. Ouais, donc, si on refait la même chose, ils vont re-kiffer, a priori. Mm-hmm. C'est comme si t'allais une fois voir Matrix au cinéma et tu retournes et c'est plus Matrix. C'est chiant. On a changé des scènes. Non, je veux revoir le même film. Ah, mais ça, c'est chiant. Si je reviens voir, ça coûte trop cher de faire ça, de changer les scènes. Non, mais si toi tu retournes au cinéma. Enfin, non, mais t'as raison. Oui, ce serait... Non, mais c'est pour donner l'exemple. Si tu retournes, c'est que tu revois la même chose. Après, on peut changer 5-6 morceaux dans le tas, tu vois. Bah, sur 3 heures. Ouais, mais pour de la reprise. Non, mais vraiment, je suis vraiment embêtée par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a on a jamais le même programme en fait. Chaque fois, je me fais chier à perdre une demi-heure là, pour faire la setlist, mais... Ah, donc bon, je sais pas. C'est ma crainte. J'ai la peur. La peur. J'ai pas d'avis tranché de mon côté. Ah, Clenval, il est pas... C'est mi-figue, mi-raisin, finalement, tu vois. Ah. Tu finis par les convaincre à force de bons arguments. Je sais pas. Hop. Excusez-moi, je connais le kung fu, bah oui, pour Matrix. Dire que je me suis endormie au cinéma pendant Matrix 4. Matrix 4, ah oui, après, mais voilà. Bon, c'est pas Matrix 1, t'aurais dit le 1, j'aurais fait quoi ? Quoi, il y a Matrix au cinéma ? Bah sûrement, il y a forcément un cinéma en France où il y a Matrix. C'est non, sûr. Mais ton message il est utile, Clenval, c'est que t'es pas sûr de toi. Et voilà, tu as le droit de penser que ouais, des fois, peut-être ça te ferait chier de revoir deux fois le même concert, en fait, du même groupe. Je sais pas, moi je me dis. Il y a tellement de sorties à faire que revoir exactement la même chose, tu vois ? C'est comme rejouer deux fois au même jeu ou je sais pas. Oui, bah y en a qui aiment bien. D'ailleurs, ouais, c'est ceux qui reviennent. Je pense que s'ils reviennent volontairement nous voir, c'est qu'ils reveulent la même chose. Ouais, mais je sais pas. Je suis très embêtée avec ça. Voilà. Après, c'est rare qu'on joue deux fois dans le même endroit ou deux fois, tu vois, avec le même public. C'est assez rare. Tu vois, les 10 ans de Bar-le-Duc. Bah. Ouais, ça par contre, ça m'ennuie, effectivement. Mais c'est pas forcément le même public là non plus. Mais effectivement. Ça ennuie parce qu'il faut raconter les chansons. Un bon tiers ou une bonne moitié, c'est la même. Hein. Après, je sais pas, j'ai regardé des fois plusieurs spectacles d'humoristes, plusieurs fois le même, et puis je me suis marré à chaque fois, et je regardais les sketchs parce que ça me faisait marrer. Donc, voilà. Et des fois, quand il y avait des variations, j'aimais pas. Je dis non, c'était mieux la première version. Ça me dérange pas de suivre les mêmes chansons à nouveau, et ça me dérange pas que ça change. Bon, bah voilà. Bon. J'ai l'avis de Rebecca concernant les voyages. Ah, bah oui! Tu vois pas, t'as tellement de lieux différents à voir que du coup, les seules fois où tu peux avoir des vacances, t'essayes de varier. Ouais. Dans une tournée, ça me choque pas que la setlist soit la même dans la tournée. Voilà, ça, on est d'accord. Après, on n'a pas ce genre de configuration-là de tournée, non, effectivement. Là, c'est effectivement plus fair-play pour toutes les villes que la setlist soit la même. Et surtout, d'un point de vue technique, c'est quasiment indispensable que la setlist soit la même chaque soir. Parce que du coup, souvent, pour les gros concerts, il y a toute une technique derrière. Pour que tout se passe sur des rails comme il faut, avec les techniciens qui sont prêts pour ce qu'il faut, où il faut, les lumières, etc. Tu peux pas faire n'importe quoi. À notre échelle, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le jour où Rebecca a le projet qui tourne, en fait, il y aura une setlist précise,
on fera un travail très pointilleux en termes de son, avec des snapshots, vraiment chanson par chanson. Ouais. Et voilà. Et donc là, oui, clairement. Mais pour la reprise... On est plus libre, mais... Ouais. Après, le voyage, c'est un peu excessif. Faut pas comparer un voyage à un concert. C'est plus... pourquoi tu retournes dans le même bar? Tu vois, t'as un bar que t'aimes bien. T'aimes bien aller toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les deux jours. Tu vas pas y retourner en t'attendant à autre chose. Si tu retournes dans ce bar-là, c'est que tu veux avoir la même ambiance, carte. Effectivement. C'est, tu veux la même ambiance, tu veux les mêmes... tu vois? Parce que t'aimes bien. C'est ça que tu reveux. Voilà. Écoute, j'essaye de faire les deux côtés, mais je comprends, moi aussi. La vie est une perpétuelle répétition. Si quelqu'un revient voir, forcément, le groupe a ses chansons phares, comme tout le monde, coup, tu as envie de les entendre, quoi. Les chansons qui reviennent sur le stream, c'est souvent les mêmes aussi, car on a tendance à vouloir entendre celles qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on a mis ce petit cooldown de au moins un stream, pas deux fois la même chanson. Enfin, sur deux streams d'affilée, pas deux fois la même chanson. Et essayer d'avoir au moins un stream de décalage pour faire tourner un petit peu et pas que, voilà, pas que nous, ni vous, vous vous ennuyez sur deux fois le même morceau. Ouais, mais après, il va falloir que tu viennes vivre en Lorraine, horreur, tu vois. Pour les reprises, je suis d'accord que varier c'est bien. Mais après, c'est vrai que non, en plus, on a cette contrainte de jouer. Tu vois, on a des sets de 2h30, 3h. Ouais. Et donc, bah. Les prestations, Au bout d'un moment, bah, tu fais 40 morceaux et voilà quoi. Oui, c'est compliqué de varier. Après, on en a pas 700 non plus. Bah, quoi, en plus des chansons qui sont. Tu vois, il y a des morceaux qu'on n'a pas spécialement envie de jouer. À un resto, quoi. Non, non, il y a des morceaux beaucoup trop déprimants qu'on peut pas se permettre de jouer. Voilà, quoi. Des fois qu'on se permet de faire, mais c'est un bide, tu vois. Après, on fait, non, celle-ci, elle a pas bien marché. On sait bien. Alors, c'est peut-être un ou deux personnes pour surkiffer dans l'assemblée, mais c'est pas la majorité. Donc, Si tu veux la même ambiance, un peu de changement de temps en temps, c'est essentiel. Mais Rower, achète au-dessus de chez nous. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? On fait passer des câbles directement pour les lumières. Hop, y a plus de latence, tu vois. On t'envoie un câble Ethernet, t'as le stream en copie directement au plafond, et puis voilà, t'es plus emmerdé. Allez. Sinon, comme Cloud. Si on vient, c'est pour votre personnalité et parce que vous ferez pas les mêmes blagues à chaque fois. C'est vrai ça. Ah, parce qu'on a le recueil des blagues geeks. Donc forcément, on fait pas les mêmes blagues à chaque fois. Non, mais c'est vrai qu'on fait pas les mêmes blagues. Non. Non. c'est plus compliqué de faire des commandes par chat. Ouais. C'est un morceau me plaît, je peux l'écouter en boucle pendant quelques jours donc. Pareil, Clenval. Mais alors c'est ça aussi qui est un peu paradoxal avec moi, c'est tu vois moi je peux écouter le même CD en boucle dans la voiture, mais en boucle. Mais c'est 5 fois, 6 fois d'affilée. Ouais. Et ça me dérangera pas. Mais de jouer toi les mêmes morceaux, oui. Oui. Mais ça je peux comprendre. Après. Voilà, la voiture c'est encore autre chose mais. Après bien sélectionner un bon groupe de morceaux, enfin un bon ensemble de morceaux qu'on exécute bien nickel et tout. Et répéter à chaque fois ce truc-là, il y a quelque chose de satisfaisant aussi. Bah, on sait que ça va, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais voir Kyo, tout le monde chantait sur les classiques, mais personne sur les nouvelles. C'est la tristesse. Donc là, vous allez à mes concerts, vous allez tous chanter sur La Naufragée. Voilà. Et rien sur Paradis. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré son foie, son visage. Non. Ça y est, on a trouvé les proprios. Ah bon. Quelques étoiles. C'est surtout mieux, j'en sais quelque chose. J'ai appris toi sur Antoine. Mon CD est bloqué dans le lecteur de la voiture, je suis obligée de l'écouter en. J'ai plus d'accord de ça. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Ouais. Gonna be. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, je suis un homme, on a dit, pour Amaterasu et Rower. Rower, bientôt propriétaire d'un 82 mètres carrés à Metz. bien sûr, il a totalement les fonds. Bah, il est jeune, il fait un emprunt, c'est bon. Le pauvre. Quoi? 82 mètres carrés, c'est bien? T'as un grand salon. 180 000 euros, je veux dire. On a tous 180 000 euros. Non, mais négocie, là. Ils n'arrivent pas à le vendre, c'est bon, là. On te donne des combines. Tu leur dis, oui, et les charges de copropriété, il y a des travaux à venir ou pas? Et voilà, tu vois. Et là, ils vont faire, non, peut-être. Bon, allez, 170 000. Ah, mais tu descends comme ça, là, tu vois. Si je vais voir Rammstein, je n'ai pas Engel qui passe. Ah ouais, je suis forcément déçu, mais tu m'étonnes. Ah mais t'imagines, les gars, ils peuvent pas faire tout le temps ça. À un moment, ils ont d'autres chansons à montrer. Tu vois? Ça me rend triste aussi, tu vois, des...
qu'est-ce qu'on m'avait raconté, le, tu sais, le gars qui fait Born to be Born to be Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Born to be alive. Non, c'est Born to be alive. Ouais, ouais, lui, Patrick Hernandez. J'ai un pote qui m'a raconté que bah, en fait, il écrit de superbes chansons. Et en fait, il a fait qu'un seul tube. Et quand il était à son concert, bah, en fait, tout le monde voulait son morceau. Et je crois qu'il l'a fait plusieurs fois. Ça arrive. Dans son concert. Il y a des concerts où ça arrive. Ça. Quand et t'as pas fait, beaucoup de tubes. Que les gens, ils le huent quand il fait ses. Vas-y, une sixième fois. Et c'est triste, en fait. Moi, je trouve ça horrible. C'est-à-dire que, bah, voilà, en fait, le mec, bah, il est... C'est la purge. Tu vois, toute sa vie, il faudra qu'il fasse son tube. Tu vois, t'as gagné du pognon avec. Bah, tiens, toute ta vie. Tu... Voilà. Là. Ouais. Moi, je te récupère ça, Rebecca. Tac. Ouais, la tristesse. Tac. L'amoureux demande combien la part du dessus. L'amoureux. Tac, l'amoureux de les. Ah, oui, bah voilà. Bah, voilà. Tac. Tac. Ah, on met l'annonce. Okay. Ouais, ouais, allez. Plus rien à foutre. Mais il la change souvent. La dernière fois, il l'avait fait à un espèce d'acapella. Ah, bah voilà, c'est bien de varier le plaisir. Ouais, 3h20, Born to be Alive. En attendant, c'est ton salaire. Voilà, c'est ça. Ta-ta-ta-ta. Alors, on est parti pour ce. Tu veux capo, hein, c'est ça, je crois, sur celle-ci. Tu la veux pas en la mineur, mais en si bémol mineur. Ouais, je la veux haute. Ok. Pas en si bémol, non, plus que ça. Même. Ah bon? Capo 2, carrément. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah bah, elle chante grave, la dame. Hein. Moi, ouais, je suis un homme et ça s'entend. Bah, ça comment? Je sais pas pourquoi j'imaginais toujours votre appart dans une ville de campagne. Rien à voir. Bah non, c'est ça le problème, Asta. Ah ouais, bah non, pourtant on n'est pas loin du centre-ville, ça qui est bien. On n'est pas dans le centre-ville non plus, parce que sinon ce serait chiant pour circuler, pour le matos des concerts, etc. Ouais, mais non. On n'est pas loin du centre, on est à côté de la gare, ça c'est trop cool. Ouais, mais comme ça, quand on a des concerts, Tritog il prend le train, bam, exact. Hop, à côté de chez nous. Et puis on est à 3 minutes de l'autoroute, même pas. Non, 10, parce qu'il y a toujours du trafic. Waouh, Rebecca. Entre 5 et 10 minutes. Ça dépend. Si, les 3 heures du matin, ça peut être durant une minute. Ouais. Avec tous les feux verts. Ouais, c'est Zazie, là. Ouais, sans doute, Luc. En tout cas, Wizard, tu as vu, j'ai mis le lien, si jamais. Ouais, on va faire du Zazie. Hein. On va faire du Zaz. Non. Bon. Ok. Et ben, c'est parti. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. J'ai fait l'amour et la révolution. J'ai fait le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne. Je suis le roi des cons. J'ai fait le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton. Corps en cage et cœur en prison. Et je tourne en rond. Télévision, je suis de l'homme, la négation, pur produit de consommation. Oui, mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne. Des cons, c'est moi.
trop raison. Moi je tourne en rond, je tourne. Assis devant, je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi je tourne en rond, je tourne. Trop, trop courte. Bah ouais, je veux la doubler en fait. Je tourne en rond, je tourne en l'indépendance. Rond. Je te sais bien. Ouais, non, mais en fait, j'aimerais bien avoir deux tournes de cet outro en fait. Bah, si tu veux. Attention les claps pendant les chansons, ça nous déstabilise. Ou clapeur précoce, ouais. Salut Mustang. Normalement, c'est time out, hein, Materatsu, les claps. Bon, ça les va que c'était sa chanson quand même. Ouais. Mais bon. Sûr, moi ça me met de mauvais poils après. Après, je me mets à détester l'humanité, ça m'emmerde. Donc, méfiez-vous. Même si ça vient d'une bonne intention, après, ça me met mal. Donc, ouais, non. Pas ouais, pendant les morceaux. Hein. Ouais, ouais. C'est hors de question. Bah, en fait, non. Vous pouvez la refaire, j'ai raté le début. Non, mais ouais, j'aime bien, moi, le truc, là. Tu vois, vraiment. Ouais, bah, dis-moi. D'ailleurs, hein, oubliez pas, je suis désolé, j'étais pas bien accordé, je crois. Je sais pas si tu l'as entendu, mais c'était pas super. Par contre, je t'ai baissé au niveau du micro, il était quand même trop forte. Je sais pas comment c'est possible. Oh, en plus, j'ai ma petite compression là. Mais ouais, je sais pas. Non, tiens, là, tiens. Faut que je m'habitue encore à ces nouveaux réglages. Je peux pas le faire en même temps. Ok. Je me suis. Voilà. Pas entraîné ce truc-là. Très bien. Tu peux le faire, toi. Ouais. Tour. Non. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est pas clair. Bah, c'est d'ailleurs pas le la mineur, c'est vraiment le tout dernier accord. J'entends donc bien, donc ces deux lignes là. Ça, les deux, ouais. Ok. Par contre, ouais. Le deuxième accord, la deuxième ligne. Oui, je sais, c'est un do. On le met en rouge tout de suite ou? Non, c'est bon, ça ira. C'est juste que là, je. Ok. Si la prochaine il passe pas, on le mettra en rouge. Mm-hmm. Cela, ça fait 4 fois qu'il passe pas. Donc. Tu vas refaire un coup là outro pour le plaisir des gens, pour Mustang qui n'était pas là. faisons. Attends, je vais faire là où je me suis. Si tu veux bien, on reprend à partir du pont. C'est moi. Ouais, parce que j'ai fait de la merde dessus. Tout ça, moi, on le réécrit. Putain, on fait jamais ça dans. Non, je sais, mais là, c'est pour Mustang, tu vois. Merci. On reste. Changez pas les caméras, surtout. Hein, c'est juste pour. C'est juste pour retravailler. Laissez. Attention, le pont. Un. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai. Sans d'autres raisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi je tourne en rond.
Ouais, après tu peux mettre une deuxième barre, sinon. Non, mais c'est bien d'avoir le. Un do majeur 7 balsa. En vrai, en faisant un autre renversement, je crois que t'as les 4 côte à côte, non? Quand tu fais un truc. Il y a moyen de remettre la 7ème et la 9ème en bas, et du coup, t'as un gros pâté. Non? Je crois, moi ça me fait marrer de faire ça au piano des fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets la 7ème en bas et la 9ème en bas, près de ta fondamentale, et du coup, t'as ta fondamentale qui est entourée de deux trucs, et t'as la tierce encore après derrière. Je vous aime. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Exact, voilà, ça fait un gros pâté. Ouais, mais c'est pas. Non, mais je sais, moi ça me fait marrer de se dire, ouais, mais je vais faire les 4 touches côte à côte. Boum. Les 3, pas drôle. Et je tourne en. Non, t'inquiète, ouais. Tourne en rond. Bon, voilà, voilà. Mais ouais. Moi, je sais pas quelle octave le prendre, le tourne en rond, parce qu'il est trop aigu pour moi. Donc, soit je le prends en voix de tête et j'ai l'air con, soit je le prends en bas et on m'entend pas. Et je tourne en rond, je tourne en. Calogero. Merci Rihanna Fenty pour ton. Follow. Merci Rogue. Coucou Rogue, comment ça va? Et bonsoir Rogue, comment ça va? Ça va. Ah, Luc Marchuchel qui a bien fait le ah 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 ah. C'est l'heure de la bouffe. Rihanna nous dit je l'ai couvert la chaîne grâce à E.T. et j'ai eu des frissons en tombant sur cette reprise. Merci beaucoup. Ah pardon, Rihanna. Moi je parlais de crème grassée et de crème brûlée. Hello, Dan Murray. Bonsoir Rihanna. Welcome here. How are you? Crème. Oh, on pourrait tellement le faire ça. Une crème, mais ça marche vachement bien. Une crème glacée. Une crème glacée. Ouais. Une crème brûlée. Ouais ouais. La ça crème marche. Des hommes que les hommes abandonnent au fond du frigo. Voilà, voilà, voilà! La prochaine fois, tu chantes une crème glacée. Voilà. Une crème glacée! Cannes, on fera pas la fille du Père Noël, hein, je te le dis tout de suite. Hein? Attention, hein? Je parce te le dis tout de suite. C'est pas Noël encore. Ah bah, il faut qu'on l'enlève nous aussi. De ouais, je sais pas mais... pourquoi elle était là. Ouais, parce qu'on a mal refait les. Tu sais, j'ai eu mon stream solo mardi. Ouais. Et du coup, quand j'ai réactivé les morceaux en duo, peut-être que j'ai pas pensé à désactiver les morceaux de Noël. Ouais. Tout simplement. Tu veux dire que tu les avais chez toi? Non. Ouais. Mais je peux pas te parler, t'es concentré sur tes oreilles. Oui, j'ai un peu mal. Oui, les toilettes sont plus grandes que cette salle de bain. On a une salle de bain minuscule, hein, c'est voilà. Oui, mais qui dit salle de bain minuscule dit plus de place ailleurs. Voilà. Quoi ça sert d'avoir 20 mètres carrés de salle de bain? Moi, ma chambre, elle fait 20 mètres carrés. Voilà. Pas. Ouais. Ma chambre, c'est un studio. C'est ouais. La taille d'un studio, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va jouer? Tiens, on va faire ça. Oh ouais, cool. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est? Merci pour le je ne sais quoi. Ça clignote. Merci pour un truc qui vient de se passer, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être juste Rower qui met des lumières. Non. Peut-être le follow qui est en. Et t'as quoi dans ta chambre de 20 mètres carrés? Bah j'ai mon lit, j'ai mon bureau, un canapé. Une immense armoire avec beaucoup trop de fringues dedans. Oui. Pardon, c'est une attaque personnelle. C'est gratuit. Non. À une époque, on cohabitait dans cette armoire. Et puis après, j'ai été... Éjecté. J'allais faire une comparaison géopolitique douteuse. Mais... un jacuzzi, voilà. Ah bon? J'ai un frigo. Non, oui. Fantastic, thanks, how are you? Fine, we had a great gig, and... C'est pour ça qu'il clignote sans raison. We are happy. Une armoire de 5 mètres carrés. Non, c'est pas non plus un dressing, mais... mais ouais, j'ai été booté hors de l'armoire. Ouais, mais je t'en ai donné une. Ah ouais, ouais, regarde. Elle est pas belle, ma bande de Gaza, là, regarde. Ta bande de Gaza. Ah bah, écoute. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai été booté hors de l'armoire que nous partagions. Mr. Fred! Bonsoir, le Red! Comment qu'ils vont? Ils ont fait du scam bête. Ils étaient en train d'embêter les scammers. Comment ça va? Alors? Est-ce que ça s'est bien passé? Ils ont craché la thune? Est-ce que vous les avez bien fait suer ce soir? Vous les avez contre-arnaqués ou pas? Mm-hmm. Vous êtes millionnaire? Ça y est? Vous pouvez acheter 10 subs sur la chaîne ou pas? C'est pour ça qu'on vient pour les trucs bizarres que Cloud dit. Ouais, la crème brûlée. Bonsoir à vous qui arrivez depuis le raid, Mr. Fresh. Si jamais tu veux faire une requête prioritaire, oui. Tu sais comment ça se passe pour les raids. Ceux qui arrivent, bienvenue, vous arrivez chez Becky and Cloud. Si vous ne connaissez pas, on fait de la musique. Regarde, il y a une piano, un guitare. Une piano, une guitare. Deux voix, regarde, attention, avec Alharmonie. Ah, ah
Vous avez vu, on est juste, hein. Donc n'hésitez pas à faire une recommandation, une suggestion de chanson dans la liste des morceaux qui existent. On joue deux fois par semaine sur Twitch, en général, le mardi, le samedi. Sauf quand on a des concerts le week-end, ce qui était le cas ce week-end. Donc on est en stream dimanche soir. Oh, t'as perdu ton routeur que tu tenais depuis le 8 novembre. Oh. Il s'est rendu compte du poteau rose. Ah zut. Merci S3, le vrai Scorpio, bonsoir, comment ça va? Alors, on fait tous des blagues nulles. Oh. Ouais, mais c'est bien depuis le 8 novembre. Moi, je trouve que ça va et t'as bien tenu hein, quand même. Qui va bien, Lovasan? Voilà, le poteau comme ça. El poteau. Là, on allait partir sur du Radiohead. Il en a eu marre de recevoir des coupons qui ne fonctionnent pas. Ouais, tu sais, parce qu'il t'arnaque en disant oui, tu veux pas aller à ton bureau de tabac prendre un coupon de Western Union, machin, ouais. Et puis tu me dis le numéro pour la thune. Ouais. Sauf que bah, du coup, il a une imprimante chez lui. Mr. Ouais. Fraise, pour imprimer des faux tickets. Donc il envoie les photos en disant mais voilà les coupons que j'ai récupérés pour la thune. Et lui il met les numéros et ça marche pas, puisque c'est pas des vrais coupons. Ouais. Donc tu vois, donc il est bien deg. Ah là 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 là, là. Le pote rose, le ouais, pote. C'est pas mal. Et ouais, après, ouais, ouais. Voilà. Et chais dans ta mouille, ce camion. Ouais, ouais. C'est du temps qu'il ne passera pas à arnaquer quelqu'un d'autre. C'est ça. Bon, ça doit pas être des vitres et tamarantes non plus, mais vu qu'ils n'ont pas beaucoup de scrupules, on va pas en avoir non plus, mais bon, voilà quoi. C'est vrai, c'est vrai. Installez-vous bien. Et pour le final de cette chanson, trois fois la phrase normale et deux fois le... C'est ça. Non, deux fois la phrase normale, trois fois le... Voilà, ça fait une coda. Une coda. Deux, une coda. Donc deux, trois. Ok. Allez. Sauf si je me suis trompé. C'est parti. Pas d'alarme. Pas de surprise. My final belly.
J'avais pas mis beaucoup de reverb. Il était un peu sécos. Un peu sécos. Ouais, mais c'est pas très grave. Excuse-moi, je me suis planté là. J'ai pas dit le premier silent. Du coup, ça nous a mis dedans. Oui. Pour ça. Ah, je veux revoir le pont. Merci beaucoup. Ça pourrait presque être une alerte de sub, hein, ce truc-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça ferait? Ah ouais. Parce qu'en fait, j'essaie de le faire de mémoire, mais en fait... Mais tu m'as pas fait cet accord-là, je crois. Yes. Non. Ouais, mineur. C'est chiant, putain. Une petite gamme. Et là on a le... Non... Et là on reprend sur... Et alors attends, on reprend sur... Bien le sol mineur. Ouais. Non, on prend sur un sol en fait. Oui. Et là... Merci Michel pour le rhizome. C'est vrai. Ah pardon. J'étais plus sur le, ouais, ouais. Sur le morceau. Bon, j'étais sur Michel. Ouais, voilà, on était sur Michel. Excuse-moi, Michel, j'étais sur Michel. On était sur Michel. Aïe. Bah alors? Mais j'étais un peu trop enthousiaste sur Michel. T'étais sûr? J'ai appuyé trop fort sur ma guitare. Ouais, faut arrêter d'être enthousiaste sur Michel, hein, vous le savez. Ma guitare, elle m'a mordu. Bah voilà. Aïe. Bon, voilà, voilà, non mais pareil, ça, c'est un truc au bout d'un moment, tu vois. Je saurai. Le vieux apprend des trucs. À qui? Merci. Pourquoi? Salut. Bonsoir. Galak le blanc. Salut Galak. Bachour. Voilà. Non mais voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, oh, ouais, je pourrais mettre du chocolat blanc vegan dans la wishlist peut-être. Ah ouais. Pardon, c'est à cause de Galak. Oui. Ah ouais. Je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de chocolat blanc. Hein, mais du coup, il n'y a toujours pas son alerte. Ça fait 1000 ans que je veux qu'on lui mette son alerte. Pour Galak? Galak de Bonmolet. Ah, c'est vrai? Mais oui. Ah, j'ai oublié qu'il fallait le faire. Remets-moi le ID, Rebecca. Je vas-y. Galak de Bonmolet. Ah, ça fait de la pub. Ouais, non. Ok. Alerte. Alerte. Galak est au bon lait. Alerte. Voilà. Merci, c'est noté. Il est trop fort, le jukebot. Voilà. Vous êtes encore là? Non, ils sont tous partis. Alors. On est en train de répéter, ils sont partis. Alors, on a quoi après? On a... Ce que tu veux. On a ce que je veux, ouais. Tiens, on a qu'à faire octobre. Ah, allez, pour le Seb. Pour le Seb. Bah oui, le Seb qui nous a envoyé un truc, le Seb. Oui. Ça aurait déjà dû être priorisé depuis longtemps. C'est le vrai. Le Seb, toutes nos excuses. La direction vous présente toutes ses plus sincères condoléances. Coordination. Ouais. Hop. Le vent fera craquer les branches. Fera ton craquer slip. Ton slip. Ouais, ah, c'est tu ça. Vois, Rebecca, on est d'accord. Ah, le oui, vent. Bien sûr. Et c'est de Francis. Fera craquer ton slip. Tout à fait. Fera craquer le slip. Alors ça, tu vois, c'est une chanson. Oui. Qui sera un jour sur ma chaîne solo. Ah. Avec plaisir. Avec le poteau bassiste. Et par contre, c'est novembre là, on me signale. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas moi qui la chante. Du coup, je fais pas l'accent. Moi, je fais l'accent quand c'est moi qui chante. Voilà. Bah, c'est tout le temps lui qui chante Cabrel, alors hein. C'est vrai. Voilà. Mister Fraise, tu veux rien? Un petit mid-check, quelque chose peut-être, non? Salut Noëlla. Oh, coucou Noëlla. Un petit mic-check, t'as raison. Ah, parce que Rebecca, elle sait pas faire la scène du sud. Et non, je le fais mal. Rebecca, tu dis melong. Melong. Ça s'améliore un peu, c'est bien. Mais ça manquait un peu de conviction. Bah, il faut dire, ici, ils disent pas melong. Ils disent? Bah, il y en a pas déjà, donc bah, ils le disent pas. Ils disent pas. Ici, ils mangent des pierres. Enfin, voilà, tout ce qui pousse. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Le melong. Le bon melong. Hein? Ils n'aiment pas les melons ici, ça pousse pas. Et. Si, moi je veux du raisin. Ouais, super, Mr. Fuzz. Raisin, pas fou. Allez, zou, on est parti pour octobre, pour le Seb 16. Ok, merci. Ah, je peux mettre du pad en plus. Ah, ouais, vas-y, mets du pad. C'est pas con ça. Ah, ouais, c'est pas con ça. Oh, je pourrais m'accorder, ce serait génial. C'est plutôt bien, ouais. Ça ferait un effet, genre, tu vois, les notes résonnent ensemble. Ouais. Oh, t'as fait faire le pigeon, Rebecca? Ah bon? T'as roucoulé un peu? Oh ah ouais, ouais voilà. J'ai fait ça, j'ai dans mon frayé. Oreille, dans mon oreille, j'ai entendu un roucoulement de... Ah, comme 1856, ça. Pas mal. Ça fait longtemps. Ouch.
Pareil. Enfin, pareil. Toi pas aussi. À ce point-là, mais un peu le gauche toujours, ouais. Pas parfaitement confort. On y va, mesdames et messieurs. Le vent fera craquer. Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir. Octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides. Des nuages pris aux centaines. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regardez tout ce qu'octobre. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Écoutez les pattes de Becky si vous souhaitez une épilation intégrale pour que les poils vous en tombent. Salut F5. Merde F5. F5, la rate. J'ai parlé de toi il y a littéralement 5 minutes. On parlait de blagues nulles. Et je dis, bah attendez, F5 est pas là. Voilà. Et salut Citromboniste et Dany de la Drôme, Papy Grincheux, elle est dans la place. Moi j'ai lu Papaye. Ah, Papaye Grincheux. Non, c'est bien ouais, Papille. Mais ça se trouve, c'est Papaye. Hein. La blague geek, voilà. En l'honneur de... j'allais la chercher, parce qu'il a... Oh, ça qu'est-ce tue, que c'est 20 mois aussi hey. Bonsoir tout le monde et @BeckyandCloud. Comment ça va Fafa et back p'tilove. Back p'tilove. Antilope. Et salut tonton Miu-Miu. Momiu. Momiu. Back p'tilope. Les poils du mentombe. Les poils du mentombe. Là, les poils du mentombe. que faut dire merci merci pour le Rissom. Merci Saturne 2021. Merci pour le Rissom. Merci Saturne 2021. C'est dur, il y a trop de syllabes. Bah oui, faut dire Saturne, c'est tout. Ah ouais, merci pour le Rissom. Merci beaucoup Saturne, c'est tout. Merci pour le Rissom. Merci beaucoup Saturne, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Saturne, c'est tout.
Voilà, c'est tout. Merci Saturne pour tes 20 mois. Eh, c'est la collection des 20 mois ce soir. Allez. Bah si, il y a beaucoup de gens qui ont... Voilà. Merci pour vos 20 mois. On est du même jour de sub, mais oui, tellement. Ils n'auront pas été 20. Donc, pour Truelle, quelle est la seule Pokéball avec laquelle on est sûr d'attraper un Pokémon? C'est une, pas une blague. La Master Ball, la Trap to Ball ou la Magic Ball? Alors, vous l'avez, c'est bon. La Master Ball, dit Truelle. Bah oui. Ah, tu m'as mis le doute, j'ai eu peur. Non, voilà. C'est bien la Master Ball, effectivement. La Cheat Ball. Qui s'en fout? La Meat Ball. Non, c'est pas ça. La Meat Ball, ouais. C'est, non, c'est pas les mêmes. Oh, Tritoc, je passe juste pour voir si tout roule. Après, je retourne bosser. J'ai dû baiser. Le son avait l'air bien. Si ça roule, après, j'entends baiser. Hein. Qu'est-ce que quoi? Ouais, t'as vu avec le pad et tout, mis à part mon mini pad. Non, il y a juste, c'est les conforts des hier, encore une fois. Mais tous les deux à gauche, finalement. Toi, ouais. C'est à gauche aussi? Oui, c'est à gauche. Ouais, ça pourrait être mieux à gauche. Je le sens sur la durée maintenant, mais ça va. Sinon. Et oui, parce qu'il a fait des modifs sur le son. Hein, ah, il y a des modifs sur le son. Il y a de l'amélioration encore. Ouais, mais c'est du détail. Il faut vraiment être expérimenté pour entendre la petite nuance des trucs. Il y a plus de bas dans le. Ouais, plein de trucs, mais vous. Il est plus gros, mon. Profitez. Ouais, moi j'ai surévalué les volumes de Rebecca. Du coup, elle me défonce les oreilles finalement. Ou alors elle est plus motivée que l'autre matin quand on a fait les réglages. Du coup, ça chante un peu plus fort. Faut que je baisse un petit peu. Je lui défonce. Ouais. Je l'entends bien, le compresseur. Ouais. Ce soir. Voilà. Oh, est-ce que vous entendez le compresseur ce soir? Oui. Non. Alors on a, sinon, c'est qu'il est mal réglé. Un bébé. Si vous l'entendez vraiment trop. Ouais. Hop, alors est-ce que je l'ai là comme ça? Sans doute, on verra apparaître. Et voilà, sinon toi ça avance, Tritoc, t'avances bien dans ton taf. C'est bon, ça y est, t'es prêt? T'es prêt, voilà. C'est bon, là, t'as déjà tout fini, t'es parti pour des PUBG toute la night. Tu sais qu'il reste à faire. Je sais. Je commence à le faire sur la scène principale, parce que c'est celle-ci qui tourne principalement. Et après, j'oublierai de le faire sur les autres scènes, évidemment. Ah, il faut que je me raccorde. Hop là. Alors, évidemment, a round of applause. Une tournée d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Tritoc. Hein, si jamais vous ne le savez pas, parce que vous êtes peut-être nouveau ou nouvelle sur ce stream. C'est notre ingénieur du son attitré. Enfin, attitré, en tout cas, avec lequel on travaille. Après, il est attitré avec qui il veut, mais... Et qui nous fait le son en live. En live dans la vraie vie. Et en live sur Twitch. Et en live sur les CD. Donc voilà. Donc bravo. Voilà, exactement. Des confettis, des multis, des applaudissements, des cœurs, tout ce qu'il faut. Et là, du coup, il est tellement bon qu'il va devoir enseigner dans une des plus prestigieuses écoles de France en musique actuelle et en école privée, qui n'est autre que la Musique Académie Internationale, excusez-moi du peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc évidemment, on se l'arrache sur toutes les plateformes. Et il va pour la première fois faire des cours collectifs, en tout cas, des cours individuels, non, mais cours collectifs, oui, au sein de la Musique Académie Internationale, mesdames et messieurs. Donc, vous n'avez pas n'importe qui dans le chat. Eh ouais, deviens prof. Non, mais on n'a jamais dit que haïr les êtres humains et être prof, c'était incompatible. C'est même une conséquence logique, non, finalement. Ça se tient, non? Ça se tient. Après, là, ça va, t'as pas des classes de 35, donc ça devrait être un peu moins insupportable. C'est a priori pas des adolescents décérébrés, bien que il y a eu des avertissements sur les téléphones. Attention, hein. Ah ouais? Ah ouais. On peut l'appeler professeur Tritoc maintenant. C'est vrai, ça? Parce que c'est quoi le titre, professeur? Docteur, oui, mais professeur. Je suis dégarcé, non? Au secours, ouais. Ah ouais, faut que je m'accorde. Moi, pendant ce temps, je suis en train de chiller, là, mais bon. La musique académique... Non, pas ça. Alors, il me faut... Fa dièse. Je vais mettre du fat dans la gueule. Putain, c'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce que j'ai branlé hier? On va faire ça. Voilà, on dirait que je suis pas accordé, mais tout est maîtrisé, vous inquiétez pas. Hier, les êtres humains, ça n'a rien à voir avec l'enseignement, c'est juste une question d'utilité. Oui, ça dépend. Ça dépend lesquels. Alors, voyons voir. T'as vu ma souris, Tritoc? J'ai une belle souris. Enfin, au-delà du fait qu'elle soit belle, elle est pratique. Comment ça va, Tréguy? Tac. Ingénieur du son, tellement. Spécialiste du son et moi je fais l'âne. Ah, j'aimerais avoir cette. Alors, milieu d'année.
universitaire, ouais, professeur est un titre particulier, mais tout le monde s'en fout à part le milieu universitaire, donc bah ça passe. C'est vrai. Je vais essayer de rajouter les tierces. Wake up. Faire des positions cheloues, mais pourquoi pas. Ah, c'est dissonant dans tous les sens. Mesdames et messieurs, la prochaine chanson vient du projet qui s'appelle 1856 que nous avons avec le capitaine Alex, projet d'électro-rock science-fiction. Ceci est une version acoustique du morceau Before Being Beheaded, qui veut dire avant d'être décapité. Bonne soirée à vous. Cette chanson qui sort pas souvent. Et effectivement, Alex donc a sorti un nouveau disque et on chante dessus. Donc il faut courir. Si F5, j'étais peut-être sur téléphone, mais si jamais vous avez le lien direct sur le Etsy de Alex, n'hésitez pas à mettre le lien direct vers justement le Etsy de Alex pour que les gens puissent se procurer Primal Robot ou Primal Robot. Voilà. Primal Robot. Les robots primaires. Une petite balade Toulouse, Paris, Nice, Montpellier, Toulouse. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout en train. Ah ouais. Comment ça? Pour le fun ou comment? Non, le train, boulot. Ah oui, pour le fun, oui. Pour le boulot, d'accord. Le okay. boulot. Ah ouais. Toulouse, Paris, Nice, Montpellier, Toulouse. C'est long. Ouais, j'aime bien le train. Enfin, sauf qu'il y a des gens qui toussent leur glaire, mais j'aime bien sinon. Oui, non. C'est... Sauf qu'il y a des enfants, mais sinon j'aime bien.
Sauf qu'il y a des gens qui puent, mais sinon j'aime bien. Bon, du coup, j'aime pas souvent, mais j'aime bien. Ouais. Bonne nuit, Clenval, a priori. Oh, je vois deux gens dire bonne nuit. Bonne nuit, donnez à ceux qui se couchent. Le film Ma planète a besoin de moi. Oh. Bon courage. Disparition ninja. Bonne nuit. Sinon, c'est trop bien le train. Ouais, merde. Ouais. Je me prends un petit PC là, quand j'ai 8 heures de train, 7 heures de train, hop, je lance un petit jeu vidéo, un petit film. Oh, oh je suis bien, personne me fait chier, je suis bien. C'est pas possible, je capte pas, personne peut m'emmerder, tu vois. Je, rien, je suis bien là. Bon, il n'y a pas une hôtesse de l'air qui vient te demander si tu veux un Mico, mais c'est pas grave, il y a un wagon bar, t'y vas, voilà. Ah, merci F5, trop fort. Tu veux un partage d'écran? Ouais. J'ai. Attention, partage d'écran. Merci pour le follow. Comment? Solixius. Solixus. Merci Solixus, tu es formidable. Alors, vous voyez, hein, sur la page Etsy du Capitaine, vous avez Primal Remote. En fait, ici, vous avez non seulement l'artbook musical. Ouais. Tu vois. Et si tu veux, tu peux même sélectionner avec des prints. Tu vois, ça, c'est l'image de la phase 1, avec le petit renard. Tu trouves pas qu'il pourrait en faire un jeu vidéo? Phase 2. Bah, avec tous ces visuels-là. Ce serait incroyable, non? Voilà. Un petit côté Ori, un peu. Ouais. Tu vois, dans le... Je sais pas. Dans le donc, je sais pas. Tu peux avoir différents. Tu vois, le Digi plus print, ouais. CD plus 5 print. Ouais. Voilà. Avec Digicode. Et c'est super bien. On n'a pas encore vu l'objet, mais on a déjà entendu la phase 1 et la phase 2 sur Spotify. Donc il faut aller sur Spotify, si tu veux. Voilà. Très bien. Pour avoir ça avant Noël. C'est beau. Voilà. Mais ouais. Voilà, voilà. Tu sais tout. Profite bien de tes 6 heures de train, Ezor. T'as la chance. Bordeaux-Marseille pour toi. Demain, c'est moins... le temps de bosser. J'espère que c'est sans escale et sans changement, parce que là, par contre, c'est relou. Là, j'aime moins. Là. 7 heures de train et se faire couper en plein milieu de sa grosse game par un petit changement à Lyon, tu vois. Mm. Bon, pas pour faire Bordeaux-Marseille, sinon tu t'es trompé de train. Mais ouais, non, voilà. Sinon, en direct, c'est trop bien. La bague nulle. Un éléphant, regarde. Regarde, tu sais, un touriste éclate de rire en disant « C'est avec ça que tu bois ». Ah, une petite blague sur la tub. Très bien. Sans escale. Sans escale. Déjà, il n'y a pas la liaison. Non. Sans escale. Oh merde. Sans Toscane. C'est toujours tout droit, sans changement. Ah, ça, c'est bien. Marseille-Bordeaux, sans changement. C'est beau, ça. C'est bien. Je savais même pas que c'était possible. Alors. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever. Tu veux faire ça? Don't you, boy? Ok, j'accepte le défi. J'espère qu'on va pas trop faire de la pousse. On pourra répéter un ou deux trucs avant au cas où. Si tu veux. Se mettre d'accord sur des trucs. Hop là. Ouais. Faut les faire. Hop. Excusez, elle est lourde. Ah putain. Oh putain. Ouais, c'est trop mieux pour ces conneries. Maintenant, le jack était si loin. Hop là, alors, guitare électrique. Guitare électrique avec de l'Ibo. Non. Bon, on n'a pas encore refait le... Pas de l'Ibo. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, on n'a pas encore fait le preset. Non, du coup, j'ai pas le preset, en fait, effectivement. Eh oui, parce qu'on a tout réinstallé, puis réinstallé. Non, je vais essayer de le... Voilà, mais je crois qu'il y a un capot. Oui, c'est ça. Elle est pas lourde, elle est très bien comme elle est. Stop body shaming la guitare. Ouais. J'ai pas dit qu'elle était grosse, j'ai dit qu'elle était lourde. Elle a une ossature, tu vois, dense. C'est comme ça qu'on dit, non, quand on veut se rattraper. Ah, mais c'est parce que j'ai les os lourds. Ouais. J'ai les os lourds, ouais. Tout à fait. Elle a les os lourds, t'inquiétez pas. Non, mais il y a pas l'Ibo, mais c'est quand même joli. C'est un morceau où il y a pas d'Ibo. Voilà, c'est tout. Ouais, tu disais, Truelle, pardon, je l'ai lu, mais sans le dire à voix haute, tu disais un attribut avec l'Ibo. Pourquoi pas, mais il n'y en a pas assez, du coup, ouais, je vais mettre un attribut pour 3 chansons, ça va prendre de la place dans les filtres d'attributs, donc je sais pas comment... Bon, je te fais une liste perso, peut-être, mais... Enlever l'overdrive... Overdrive ? L'overdrive, oui. Ah, j'ai pas entendu le V, à cause du gate, j'ai entendu overdrive ! Canada Dry ! Faudrait qu'il y en ait plus, je suis d'accord. Alors, bonne nuit, Mouchasse Bananas, merci beaucoup. Bonne nuit. Pavé demain, Becky. Pavé, tu lis demain? Je lis demain. Et ce soir, le pavé sur Discord. Oui. Après le live stream. Je l'ai déjà préparé, mais vous êtes chanceux, il y a un peu moins que la semaine dernière. N'oubliez pas, c'est épinglé en haut du chat. Venez mardi soir, s'il vous plaît. On fait un live un peu, on a besoin de soutien. On fait un live un peu différent d'habitude. Ça pourrait être bien que si vous êtes libre et que vous aimez bien ce qu'on fait en général, faites-nous confiance et venez mardi soir. Pour le live spécial Furvent.
Une blague, il y a des invités et tout. C'est le match de foot des souris contre les éléphants. À un moment, l'attaquant souris s'élance. Petit pont, hop, il court vers les buts. Et oh, un défenseur éléphant va pour l'intercepter. Et sprouch, écrase la souris. Tout désolé, il est inconsolable. Et le capitaine des souris vient le voir. T'inquiète, c'est un accident. C'est pas ta faute. Ça aurait très, très, très bien pu arriver dans l'autre sens. C'est mignon. Voilà, c'était pour compenser la Master Ball qui était pas une blague. Voilà, c'est ça. En parlant du thème de F1... Alors oui, alors, attends. Tu parles de quel thème? Parce que le thème d'Aeris. Le thème principal, j'imagine. Non, ça, c'est F6. C'est F6, pardon. Je sais pas pourquoi je pense à F6. Faut que je réécoute. Pas encore. De toute façon, il faudra que je planche dessus. Mardi, il faut venir habiller comment? Avec un pantalon, s'il vous plaît. Ouais, en pige, c'est bien. C'est noté. Rien que le premier accord, je reconnais Tipeee, mais ouais. Le thème du FF, c'est original, ouais. Non, mais je sais plus. Là, j'ai du Tipeee dans les oreilles, laisse béton. Et moi, je l'ai pas fait. Merde. Oui, il faut. Il faudra. Ah, pas tant. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut répéter? Je sais pas, tu veux répéter quoi? Ah, c'est le pont qui me manque, je crois. Ouais. C'est le... Ouais. Ah, mais c'est toi qui as gardé une base de phare. Comment me remercier? Salut Nicole Génitu, merci. 5 mois que de plaisir. Comment ça, salut? Pourquoi je dis salut? Merci Nicole Génitu. Bienvenue sur le live, c'est ta première fois. 5 mois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 5 mois. Tu fais un truc avec des flous. C'est quoi des flous? Ah, merci. D'accord. C'était pas clair, Rebecca. Flou, des flous. Merci Nicole Génitu pour ton rire. 5 mois. Donc, je disais le pont. Oui. Avec, si possible, le changement de basse. 3, 4. Ah, c'est dégueulasse. Un susquette. Voilà. Hi. Quoi les bibis? Quoi les bibis? C'est pas encore les bibis. Il n'y a pas eu d'alerte du non. Et là, je pense que. Il y a eu des gift subs. Oui. Quand ça se remettra à jour, ce sera 9 sur 10 certainement, parce qu'il compte le gift subber et non pas juste les gift subés. Donc des fois, il y a un truc de décalage. Vous inquiétez pas, dans le chat, le jukebot se charge de vous prévenir quand il y a les courses de billes qui sont actives. C'est vraiment, ça. Il ne manque jamais sa cible. Il ne manque jamais. Donc peut-être je changerai de micro. Au moment de faire le... Ah mais si, regarde, course de billes. Elle a été déclenchée. J'ai rien dit, il y a une course de billes. Là, qui dormait quand on faisait nos exercices d'harmonie hier. Oui. Oui, je pionçais ma race pendant que vous parliez fort. Ok, bon bah écoute, on essaye. Elle sort pas assez souvent. Hop, non. C'est parti, mesdames et messieurs, on va dire sur ça. Allez, beaucoup trop de réverb, c'est parti. Two planets apart. Got lost in the dark. We were. J'ai perdu les lignes, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu l'as refait? Oui. Tu
coupez le chant. Two planets apart, got lost in the dark. We weren't bound together. Thousand meters apart, out of the cloud, we're made of strange weather. It's hard for me to understand why you would make a wonderland of me. And if you think that I would take this, you underestimated me. Souls deflated and separated. Should I be flattered? Sound of noise, underrated. We've been created from the same matter. It's hard for me to understand why you would make a wonderland of me. And if you think that I would take this, you underestimated me. To understand why you would make a wonderland of me. And if you think that I would say this, you underestimated me. Cause there is no reason left to find. J'ai pas regardé plus la feuille. C'est que t'as plus vu. J'ai regardé plus, je me suis dit, ah ouais, c'est l'instrumental. Pas du tout. J'ai sauté et après je suis revenu. Oui, j'ai vu. Vous avez eu un peu de rab, c'est pas grave. Voilà, vous avez eu une petite tourne d'accord en plus, sympa pour déguster le délai. Bonsoir Phoenix Warframe. Coucou. Alors, un petit retour de Tritok, actuellement professeur à la Music Academy Internationale. Ultra cool, Becky and Cloud. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, et la distance pour le micro, éventuellement. Okay. Mais après, du coup, tu vas moins t'entendre, j'imagine. Tu souffres, vas-y, dis-le. Oui, je souffre.
courage Dani qui doit partir parce qu'il est fatigué. Bisous bisous. Prends soin de toi. Tipeee c'est tout. Donc voilà, cette fois-ci on va tenter au Rhodes. C'était ouais, le conseil mais... de la dernière fois de Triton. Bravo Arthur. Je sais pas. Bravo. Merci. Oh putain, il est fort celui-là. Je sais pas si, si c'était un conseil de lui. Si. Si, on avait fait au piano, il avait dit ah peut-être le Rhodes plutôt non. Et t'avais dit non, on avait essayé, ça rentrait en conflit, c'était pas super. Ouais, mais du coup. Je me rappelle. Je sais plus. Là, bon, ça marchait pas trop mal, je crois. Quand tu envoies, tu recules. Oui, non, mais j'ai compris. Ouais. j'ai compris, on est d'accord, c'était fort, mais pourquoi c'est fort ça? Qu'est-ce qui a changé? Bizarre. Bon bah cool. Rower, un petit point d'exclamation idée si tu veux bien. Pour ce volume-là. Bah, ça se trouve, c'est comme ça pour toutes les alertes. Hein. Non, les autres, ça va, je les ai aussi dans le. Ça va. 23h11, est-ce qu'on fait la course là maintenant? Ou pas? Oui. On peut, ouais, on peut. Allez, on fait la course. Il n'y a pas tant de morceaux que ça. Mesdames et messieurs, afin de contenter l'entièreté de la population de ce stream, nous allons effectuer un tirage au sort à base de billes. The bee, it's a load of bee. Hop là. Ça, c'est bien. Allons voir. Je vais retester mon gigabouton. Attention, le gigabouton des billes, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, sans les mains. C'est où déjà? C'est là. Hop, attention. Hop. Sans les mains. Est-ce que je peux faire planter le stream, mesdames et messieurs? Un de le test. Mesdames et messieurs. Oui. 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 Oui, oui sans les mains. Sans les pieds. Hop là. Transition. Jeu de billes lancé, incroyable. Le boom boom qui arrive en même temps. Allez, le petit crack à l'ancienne. Ah, c'est vrai. Ah. Va savoir. Je l'ai pas entendu. Le déni. Non, je l'ai pas entendu. Community Maps, voyons voir. Qu'est-ce qu'on aurait dans les Community Maps? Peut-être en average time, voyons voir. Allez, devin, devin, soyez devin. Pas de fat, ou cul du quid, boot, fatigue, padat, scoudout, squidit, stilit, en bas, skit, à droite. Alors, je cherche un taux d'élimination un peu pas dégueu, mais ils sont tous dégueu. 38%, c'est pas mal ça. Avec 2 minutes 22 de course. Gritty. Persnickety Race. Je n'ai rien compris. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez gagner une clé de jeu vidéo ou bien une requête de chanson prioritaire, vous faites point d'exclamation play dans le chat maintenant. Allez, allez, maintenant, c'est maintenant. Point d'exclamation play. Si vous souhaitez remporter un jeu vidéo ou bien une requête de chanson prioritaire, point d'exclamation play dans le chat en cet instant. Sans perdre de temps, mesdames et messieurs, vous risqueriez de rater l'entrée de cette course de billes, mesdames et messieurs. Nous allons faire une prédiction également. Prédiction sur Cannes 08. Cannes 08 qui a été le premier, le plus véloce à faire présentation play. Est-ce que Cannes sera dans le top 12, mesdames et messieurs? J'ai oublié le taux d'élimination, je l'ai dit juste avant. Si vous avez écouté, vous l'avez. Est-ce que Cannes sera dans le top 12, mesdames et messieurs? Entre la position 1 et la position 12, position 12 incluse. Vous votez, 38%, merci beaucoup, Rower. Vous votez grâce à vos points de chaîne en cet instant. Bonne nuit, Nico, le génie tu. Bonne nuit. Avec grand plaisir et à très bientôt. Merci, Saturne également pour les 38%, je l'avais déjà oublié. 15 000 points de chaîne pour la réponse oui pour le top 12. 2500 points de chaîne pour la réponse non. Et 0 point pour éliminer. Alors qu'il y a quand même 38% de taux d'élimination. Qu'est-ce que vous foutez, mesdames et messieurs? Il y a une troisième réponse possible à cette prédiction. Voilà, 20 points. Celui qui a mis 20 points, 30 points, peut-être qu'il va ramasser une fortune en points de chaîne. Sachant évidemment qu'on peut rentrer en montant personnalisé et non pas juste les mettre 10 par 10 si jamais c'était la volonté de cette personne qui pariait sur la troisième réponse. Il vous reste 10 secondes pour parier sur la prédiction, mesdames et messieurs, alors que nous sommes 24 avant de commencer cette course. Tu dis quoi, Rebecca? Bonsoir, Fofi, salut Gnoumet. Allez, la prédiction est terminée, la course commence dans 10 secondes, mesdames et messieurs, pressez-vous de faire préservation de play, après il sera trop tard. Il n'y a qu'une seule course de billes prévue pour ce soir, jusqu'à présent. Allez, on y va, mesdames et messieurs, la course de billes, let's go. Oui, le clavier est toujours d'accord, c'est bien. Je vous rappelle les conditions de victoire pour celles et ceux qui seraient peut-être nouveaux ou nouvelles sur ce tirage au sort qui est déclenché grâce à la dizaine de subs et de gift subs qu'il y a eu jusqu'à présent ce soir. Tous les 10 subs et gift subs, une course de billes, un tirage au sort pour faire gagner plein de trucs. Et donc, les conditions de victoire, je disais, la première bille à franchir la ligne d'arrivée tout là-bas remporte le jeu vidéo de son choix dans notre liste de plus de 200 jeux vidéo. La dernière bille à franchir la ligne d'arrivée remporte une requête de chanson prioritaire. Et la première bille à être éliminée de la course remporte également une requête de chanson prioritaire. Deux requêtes de chanson prioritaire à gagner et un jeu vidéo pour les participants et les participantes de cette course ce soir avec un laser certainement meurtrier qui va peut-être en emporter plus d'un.
Et dommage Artalex qui avait sombré et qui a raté le début de la course. N'hésite pas Artalex évidemment à faire 10 gifts up pour lancer une deuxième course. Si jamais tu souhaites te rattraper, il n'y a aucun problème à soutenir ce stream, son matériel et ses intervenants, extérieurs ou intérieurs. Intérieur cuir évidemment. Alors Mister Fraise, Rowerlito, Becky and Cloud, ça avance, Luc marche au ciel. Oh Histrion GG qui est coincé avec quelqu'un d'autre. Ben c'est la loose les gars. Ben c'est FF là, c'est mort hein. Diospiros et Histrion GG là, à moins d'un miracle, vous êtes foutus. Là vous allez être éliminé par la zone rouge. Et ça compte pas pour l'élimination hein. Attention hein. Allez. Des bisous évidemment à Luc marche au ciel. Nous voilà la modération. À qui nous dédions ce titre. Luc Marcheciel qui n'est toujours pas décédé. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Luc Marcheciel, avant-dernier. Mister Fraise, bon dernier pour le moment. Rebecca Hart qui est décédée. Luc Marcheciel est décédé sur sa chanson du décès. Luc Marcheciel est décédé. Oula! Et Zor Impossible, Matthew et Becky and Cloud sont décédés également alors qu'on se rapproche de la fin. Saturne qui a rassé la ligne d'arrivée, c'est Gaël en première position pour la clé de jeu vidéo. Gaël, bravo Gaël, si tu le souhaites, un jeu vidéo de la liste, si tu le souhaites Gaël, merci beaucoup pour toutes ces années de service. Mister Fraise peut-être pour la requête prioritaire. Supplémentaire, hein, puisqu'il y a déjà le raid. À moins qu'il ne tombe à côté, Mister Fraise, c'est la lose. Mister Fraise, c'est le décès. Mister Fraise, c'est l'humiliation. Mister Fraise, c'est non. Alors, Gaël 047. La clé de jeu vidéo pour Gaël 047 qui a participé. Merci beaucoup. Rowerlito pour une requête prio. Quel est 13ème. Nous avons. Qui c'est qui a été éliminé en premier? C'est Rebecca ou c'est Luc Marcheciel qui est éliminé en avant-dernier, a priori. Attends, non, c'est pas ça. Attendez, je retire ce que j'ai dit. Faut que je classe. Gaël est donc... Ah si, c'est ça. Hein. C'est bien Luc Marcheciel qui a été éliminé en premier, sans compter Rebecca Hart et Becky and Cloud évidemment. Donc Luc Marcheciel, une requête prioritaire. Rowerlito, une requête prioritaire. Et Gaël 047, GG, félicitations pour la clé de jeu vidéo. La prédiction. Alors c'était combien? 12. Et ben il est 13. Oh là là, la réponse 2. C'est la réponse 2 pour la prédiction, mesdames et messieurs. Il est en 13ème position, donc pas dans le top 12, mesdames et messieurs. Encaissez vos points de chaîne, s'il vous plaît. Et nous revenons à nos programmes musicaux en cet instant précis. Oh la vache, j'ai palpé là. Soit. J'ai gagné vos points, les gars. Oh là là, Rebecca qui a tout raflé. Gaël. On en profite pour dire bonsoir aux lurkers qui étaient tranquillement en train de profiter de la musique et qui nous rejoignent allègrement pour la course de billes. Et ça, c'est cool. Merci Mini Mimo. Merci Histrion GG. Albi Noulou. Coucou. Merci Lolo King pour les 10 mois. Merci Diospiros. Bonsoir. Bonsoir Fofi. Que nous mettez Lolo King. Il y en a 10 de chaque. Alors comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content. Exactement. Merci Lolo King. J'arrive. Ouais. Merci, merci de vous être offert cette course de billes, mesdames et messieurs. Lolo King qui nous rapproche un peu plus de la deuxième course de billes. Bon, un peu, mais un peu. Alors, voyons voir ça, comme ça, comme ça. Merci pour le risseur, merci beaucoup Lolo King. Merci pour le risseur, merci Lolo King. Ouais, je sais pas, j'ai bugué de la bouche. Ouais, c'est pas grave. Merci beaucoup Lolo King. Merci Lolo. Merci Lolo. Ah là là. Ouais, hein, toi aussi Gaël, j'ai vu que t'avais voté non. Et ouais, bravo. T'as bien fait de faire un pari, hein. Non mais j'ai, voilà, c'est, c'est fou. La 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 la. Voilà. Donc Rower et Luc Marcheciel. Cadeau d'anniversaire de moi. Oh. Ah, comment me remercier? Tritoc dit. C'est pas mal cette chaîne. Le son est pas mal le aussi. T'aurais dû dire. Oh, il aurait dû dire le son est. Alors, les musiciens sont moins, mais le son est incroyable, hein. Voilà. Incroyable. On attend avec impatience ce deuxième best-of. N'est-ce pas? Et ça va être, en premier, ça va être le best-of des 4 ans qui va sortir. Hein, ouais. Pour bien se rappeler de toutes les conneries qui se sont passées pendant le live des 4 ans. Ça va être bien sympa. Oh oui, il y a tellement de conneries. J'espère qu'il existe encore, Mister Chaussette. Ouais, faut qu'on lui demande. Enfin, Mister Chaussette. Monsieur Chaussette. Monsieur Chaussette. Alors, c'est quoi la chanson? C'est, bah du coup, on a automne. Ok. On a automne pour... Automne, je fais rien. Ah ouais? Bah si. Ah ouais, tu fais rien. Bah parce que quand je chante comme une patate. Ah ouais. Remarque, avec les nouveaux ears, je peux essayer de chanter. Ouais, c'est vrai. Et si je fais de la merde, tu me regardes avec les sourcils froncés, là, comme ça. Ah non, faut pas, on a dit. 4 ans déjà? Eh ouais. Hein.
Eh ouais, 4 bah, c'était 4 ans, c'était cet été là qu'on a fêté le stream des 4 ans. En fait, oui, on est là depuis 2019 en fait. Oui, oui, après on n'était pas actifs depuis 2019, donc bon, on pourrait refêter les 4 ans cette année en vrai. Hein. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On fera 5, c'est bien 5, comme les 5 doigts de la main. Bonne nuit, Ezor, en tout cas, et bon train demain. Et si je faisais de l'Ibo sur automne? Un truel. Avec l'harmonium? Et c'est parce que chaque fois que je la requête, je m'en veux que tu fasses rien. Ouais. Pourquoi tu t'en veux? Bah non. Ah, tu vois, regarde. Truel, il est d'accord. Ah bah oui, non mais voilà, Truel... C'est quoi tes basses? T'as une grille facile ou pas? Oh, non. Et bon, non, bah... il va massacrer mon morceau, là, en 2-2. Ah oui, alors regarde, on lui a fait une Squeezie à Tritok. On dit des conneries, mais on lui a pas fait son jingle. Oh, tu vois, on a fait une Squeezie. Non, et 33 pareil. Mois, hein? 33, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? J'ai Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Merci Tritok pour le rissol. Ça fait 33 mois, 33 mois déjà. Ça fait 33 mois. Merci Tritok, j'suis pas vachement inspiré pour les paroles. Sifflez. Sifflez. Je sais pas plus siffler qu'avant. Non, c'est vrai. Merci pour le resub des 33 mois. Ça jingle validé. Ah, c'était personnalisé là, hein. Attention, hein. Mi mineur 7, tout ça, hein. Attention. Armo piano. Ah, tu l'as retrouvé. Oui. Armo piano. Et moi, alors je tente quand même de... Alors, envole-moi ou emporte-moi en premier? Envole-moi, emporte-moi. Emporte-moi, envole-moi. Ah, ok, d'accord. Ouais, je sais, donc, je me plante. D'abord emporte-moi et ensuite Jean-Jacques Goldman. Non, mais que je retienne, tu vois. Oui. C'est d'abord toi et ensuite Jean-Jacques Goldman. Toi, plus moi. Non, ça c'est un autre. Voilà, c'est ça, exactement, Hauer. Aïe. Je me fais sodomiser le tempo par mon ear, là, c'est terrible. Ah bon, ah, c'est pas le bon trou, mais voilà. Emporte-moi. Emporte-moi. Bon, ben je tente les cœurs, mais je vais voir si je m'entends mieux avec ces ears là. Mais parce que les ou en général, avec les anciens ears, c'était compliqué. Bon, je tente, écoutez, vous n'avez pas besoin de tout savoir, hein, mais j'essaye. Non. Et ça se trouve, ce sera dommage. Voilà. Ah, bah, c'est pas dommage. La pluie de novembre, quand les feuilles virent un l'ombre, fuit et succombre dans ma chambre, s'enfouit. Oh,
Oui, mais forcément. Ça, c'est du poète. Poète. Merci Icorline. On dit Icorline ou Icorline? Merci beaucoup. Je sais pas. Merci, au revoir. Bon, je regarderai le live pour voir le reste. La VOD. D'ailleurs, n'oubliez pas, on en manque, hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de VOD, mesdames et messieurs, la planque de Becky and Cloud, où toutes les VOD musicales et de jeux vidéo sont repostées à un rythme parfaitement erratique. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube, la planque de Becky and Cloud. C'est cool, faites-le. Merci. Par contre, il y a des shorts une fois par semaine. Ah, il y a des shorts une fois par semaine, voilà. Il y a je au moins un short par semaine. Mais il y a des shorts. Voilà. Les hauts furent justes. Ouais. Pourquoi les miens. Ah, parce les que tiens. C'est pas, voilà. Pardon, je veux dire. Hein Comme tu veux. Eh ben, Icorline. Allez. Est-il des Bernuda? Je ne sais pas. Ouais. Bon, alors, j'ai du mal à gérer, hein, parce que forcément, eh ben, quand je dois le réenclencher, tu vois, il faut que je rebouche la molette, mais... Ah. Donc, bon. Peut-être il faudra que je te demande à toi de le faire. À moi de faire la molette? Bah oui, bah, bien sûr. Non, mais oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il faut que je reparte du départ, de tout en bas, pour le relancer. Non, peut-être pas. Il faut au moins que tu refasses un move. Bah, essaye. Je ne sais pas. Fais un test. Fais un test, vite fait. Ah oui, c'est vrai, je me suis rebarré. Attends. Et oui, bien sûr. Clavier, bam, bam, bam. Oh, waouh. Et donc là, je me change en l'air. Et je remets. Et ouais. Et alors, t'as fait quoi? J'ai juste fait hop, hop. Ok. Et donc, ouais, on entend. C'est pas juste un volume de l'infini et une version max la molette. Oui, mais justement, tu vois, quand tu vois, j'ai un moment, il faut que je le... Comment dire? Oui, vu que tu changes de son et que la molette est déjà enclenchée, quand tu repasses dessus, fait. C'est comme et si elle était en bas. Temps. Enfin, et donc, voilà. Il faudrait refaire du coup, tac, tac. Bon. Mais je pense pas que tu dois de revenir en bas, ouais, effectivement. Non. C'est juste le... Voilà. Enfin, j'espère, en tout cas. Relis. Ah, mais moi, j'ai lu la phrase deux fois, j'ai rien compris. C'est juste un volume de moins l'infini à une version max de la molette. Je comprends pas la phrase. Je suis désolé. Pardon. Volume de moins l'infini à une version max. Ah, virgule, la molette. C'est juste un volume de moins l'infini à une version max. À une version max? Ah, c'est des trucs de pianiste, ça, des trucs de claviériste. Ça n'a rien à voir avec le fait que le son soit sur on, sur le kawaii. Bon, ça, c'est, je vous laisse vous débrouiller, hein, moi je pine rien. Ah bah alors du coup, on s'en fout. Ouais, apparemment. En fait, c'est bon, il a pas besoin. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, une fois qu'il est en haut, c'est cool, en fait. Là, c'est bon. Ah bah voilà. Non, mais j'avais peur parce que tu sais, des fois il faut. Ouais, je sais, pour les le pads. Pad ou je sais pas quoi, enfin tu vois, ou pour certains sons, bon, pour le midi. Essaye du coup, mais là c'est bon, tant qu'il est en haut, ça va. Voilà, parfait. Donc je suis soulagée. C'est bien. Bravo. Tout va bien. C'est pour quand les pantalons? Ben là. Non. Pour ça, tu peux faire un fête de molette. Voilà, fête de molette. Fête de mi-molette. De mi-molette, exactement. Fête la mi-molette, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce que Luc, il a choisi? Ah, bah, de ma... Vous faites exprès, hein. Eh ouais. Play. Mais tu fais rien. Ah, je fais rien sur de ma balançoire? Ben, vas-y, je fais un truc. Bah, tu fais de l'ibo. C'est vrai? Ouais. Même si je fais des pains? Ouais. Allez. Qu'est-ce que je fais? Je suis du chou. Attends, change pas de piano tout de suite, faut que je mette la guitare. Ouais, voilà, c'est bon, remets les sons que tu veux maintenant. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est pas compliqué, hein, tu sais. C'est bien. Pas compliqué, bordel! Oh! Ah oui, alors attendez, bougez pas. Ah, bouchez-vous les. Non, je vais pas faire ça. Bouchez-vous les oreilles, je mets le. Voilà, non, je suis pas. Bon. C'est cruel de faire ça. Allez, hop. Faire ça. C'est bon, modérateur cruel. Putain, hein. Mais qu'est-ce qu'elle réécrit, celle-là? Trop de trucs. Je me suis emmêlé dans mes câbles. Ouais. C'est en... Alors par contre, c'est une tonalité que j'ai tu vas pas aimer. Hein. Ouais, je mettrai un capot. Non, mais de toute façon, quand je suis à libo... C'est du la bémol. Du la bémol. J'ai du la bémol. Oh putain, en plus c'est vrai que ça module un peu quand moi, même. Moi j'ai du la bélo. J'ai des interchanges modaux. Des... Ouais, ça marche. Je vais faire un peu de la bouse et puis voilà. Ouais, c'est pas tout droit comme les autres morceaux très modaux que j'ai. Vas-y, fais voir, joue un peu. La bémol. Ah oui, merde. Ah, tu bémol. Vois que je t'avais dit que t'aimais pas. La bémol. Après, j'adore la bémol. Après, j'ai un ré bémol. Après, j'ai un... Ça dépend. Et j'ai des la bémol, des ré bémol. Des fois, j'ai un fa mineur. Et le refrain, c'est sol bémol, fa mineur,
La bémol. Voilà, la bémol, dièse 11, bémol 13, trouve les bonnes notes. Voilà, c'est comme le jeu d'hier. Voilà, c'est pour t'entraîner pour ton prochain album, n'est-ce pas ? Oh, je fais des notes aiguës. Elle en est où, la pétition, d'ailleurs ? La pétition. Voilà. Et puis, alors, ouais, par contre, après, ça module. Hein. Après, des fois, j'ai des ré. Ah ouais ? Ouais, donc, débrouille-toi. De toute façon, j'imagine que tu vas faire des notes de merde, mais c'est pas grave, Truel, il sera content. Ah, ouais, un peu moins de délai, d'accord, pardon. Ok. Allez, on verra bien. Quoi, c'est pas vrai, Truel? Non, il a des oreilles quand même, déconne pas. Dès que je fais un pain dans la naufragée, maintenant il sait, il fait. Ah. Il connaît par cœur. Du coup, dès que je fais une case à côté, il fait. Attention, hein. Ah, mais ça, c'est parce qu'il a. Après, il fait. Ah, dommage, ça a failli être bien. Dommage. On est parti, Rebecca ? Ouais. Allez. Le béton et les cris des klaxons, l'Éden résistait ouvert aux yeux de tous. Parmi les lilas et les framboisiers que j'affectionne, trônait un vieux cerisier tapissé de mousse. Au printemps, ses branches blanches pleuvaient parfois, m'enivraient avec délice tandis que je m'élançais dans les airs, depuis ma balançoire suspendue à l'un de ses bras frêles. Couchée dans l'herbe immobile, je regardais le ciel si triste d'avoir perdu ma berceuse. Au loin, les voitures fonçaient dans l'avenue qui défile, m'annonçant une nouvelle aventure prodigieuse. Alors la balançoire sous le bras, je visais maintenant les lampadaires. Je pouvais ainsi faire une course éphémère avec les bolides, tentant de crier plus fort qu'eux, arrachant l'air, crachant parfois mes poumons parmi les rires placides. Feutrée sous ce pont caché du monde, et si je laissais le monstre me rouler dessus. Je m'élançais maintenant dans la gorge sombre du tunnel, excitée à l'arrivée de la horde de wagons pressés, et tandis que je m'élançais, et tandis que je volais dans le noir, le grondement sourd éternel m'emporta, remuant mes entrailles, vibrant dans mon crâne fracassé. Toujours plus haut, voir plus loin les rêves.
Alors, sous le bras, le bout de bois et ses deux chaînes, j'escalade un nouveau monstre d'acier qui surplombe la ville. Le soleil se couche petit à petit, mais je n'ai plus peur du vide. Le vent chaud court sur mon visage et mes cheveux lâchés. Mes yeux s'écarquillent et se remplissent d'or de ma balançoire. Salut Coron, merci. J'ai pas pu le faire, j'avais les mains prises. T'as cru que c'était automatique. Ah bon, j'aurais mieux fait de faire ça, mais... Ouais. Avec les pieds, ouais. Bon, effectivement, c'est le bordel, t'as gris. Là, je... Quoi? Ah ouais. Oh, c'est pas si compliqué, mais non, mais c'est, quand c'est... tu l'as pas, tu Et l'as puis, pas. Et puis, le problème, c'est que en plus, là, je... Voilà, je fais de l'impro, enfin, je fais de l'impro, donc, en plus. Donc, bon. Voilà. Pieds, ouais, tu vas clencher avec les pieds. Oh, non, mais voilà. Non, mais en vrai, ce morceau, comme d'hab, c'est un truc qu'il faut que j'écrive. C'est pas balançoire. Ah ouais, tu peux le garder, tu peux le gérer avec un. Avec, Ouais, peut-être enclencher le délai si j'ai mis le bon tap tempo, mais oui, peut-être ouais. Avec le temps, quand on a fait la forque midi sur le pédalier. Peut-être moyen que je passe sur la page 2, que je fasse délai, hop, et je l'enlève après, et après je fais des claquettes. Et en tout cas, oui, voilà, si jamais okay. Avec les pieds, ouais. Avec une autre partie du corps, ouais. Ok. C'est un do, ah ouais bah, Reaper, ouais. Reaper. Ah oui, oui, Reaper. Qu'est-ce qu'on joue maintenant, Julien? Tu veux faire quoi? Tu veux faire ça? Changement oui. D'ambiance. Allez. Dota. Un téléporta. Oh, on n'a jamais fini Viewfinder. Ah ouais. Bon, Rebecca, quand est-ce qu'on joue à... Oups. Ah oui, c'est vrai, on a jamais fini. Ah non. Téléporta. Et quand est-ce qu'on joue à Lethal Company? Hein? Quand est-ce qu'on joue à Lethal Company, toi et moi? Lethal Company? Ouais. C'est quoi? Death Inc, oui. Non. Mais Lethal Company, je vois... Si. C'est quoi? Si. Le jeu, là. Lequel? Le dernier, là. Lequel? Avec les mecs. Ça veut rien dire. Je ne comprends pas cet homme. Mec dans l'espace, là.
dans la navette. Ah, oh non, non. Oh non, 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 non. Non, non, non. Si, non, allez, non, on va se marrer. Non, on va être non, mauvais. Non, 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 non. Allez, là, on se fait une team avec deux autres gens, là, du chat, là. Oh, et hop, mais non, mais non, mais on est parti à quatre, on va mourir. Oui, oui. C'est bon. Oui, oui, oui. Vous voyez de quel jeu on parle? Ah, bah, c'est-à-dire que tout le monde y joue, donc oui, je pense, mais. Hop là. Ah, non. Je croyais que tu me parlais de. Du jeu du moment, mais non, en fait. Ah, bah, c'est ça, le jeu du moment. Pourquoi j'ai pas de. C'est de ma faute? Ah oui, c'est de ma faute. C'est bon. Alors, on va faire ça. Est-ce que je suis bien? Drop. Pas de vibrato. Ah ouais, Luc, c'est à toi. T'as bien mis le preset? J'ai écouté. Regarde ce type, il se balade avec son instrument à cordes pour chacha. C'est laquelle l'autre? Parce qu'il y en a plein d'autres. C'est a smile that explodes ou Electrical Storm. Ah non, Watch Our Shadows Run. C'est ça. Ouais, elle est bien, j'aime bien. Voilà. Elle est pas hyper connue, mais je t'ai tombé dessus par hasard sur YouTube. Une recommandation et j'ai bien aimé. Elle est assez dure à faire, je trouve. Enfin, à chanter comme lui. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Quoi? Non, j'ai pas votre ref de coup. Hein. Ah oui, c'est toi mon dernier stream, on parlait de voilà, chansons. Voilà, c'est ça. T'inquiète. Elle a demandé In The Sun et je lui ai dit ah écoute celle-là, il m'a dit d'accord j'irai. Ah d'accord. Et puis j'ai fait ouais super, tu me diras ce que t'en penses. Il m'a dit ouais d'accord. Et là du coup il m'a dit ce qu'il en pensait, tu vois. Très bien. C'est beau quand ça fait c'est ça. Incroyable. Ouais. Ah attends, Outer Wilds, c'est pas le jeu du moment mais oui ce serait trop cool ça. Beaucoup trop de réverb pour un morceau comme ça. Hop, voilà. C'est parti. Allez on bouge les culs. Tango, every little move you make. I love you like a mango, 'cause we can make it every day. I want you to drop, baby, drop, baby, drop. Got to drop all your love on me, drop, baby, drop, baby, drop. Oh, drop, 'cause I'm hungry. My nights will be so lonely. If ever you should choose to go, to go. Leave just like a zombie. Zombie. Little love to show. I want you to drop, baby, drop, baby, drop. Got to drop all your love on me. Drop, baby, drop, baby, drop. Drop 'cause I'm hungry. Drop, baby, drop, baby, drop. Got to drop all your love on me. Drop, baby, drop, baby, drop. Mama, who's always there to make it right? Who loves you? Who loves you, pretty baby? Who loves you, love you, mama? Baby, drop. My heart does a tango with every little move you make. I love you like a mango. Like every day, I want you to drop, baby. Your love on me, drop, baby, drop, baby, drop. Oh, drop, God, I'm hungry. Drop, baby, drop, baby, drop. Got to drop all your love on me, drop, baby, drop, baby, drop. Drop, God, I'm hungry. Drop, baby, drop, baby, drop. C'est vrai que j'ai galéré un peu. Petit souci de précision rythmique, non, madame? Ah, bah c'est l'indépendance, oh, ça, j'ai fait. Oh là là! Oui, tu vas faire pac, pac. Ouais, ouais, mais du coup, je suis ça et puis en train de chanter. Ouais, ouais. Ah, ouais, voilà, c'est pas ce qui me semblait. Attends. Merci pour les claps. Et puis, vu que tu fais. Ah, c'est dur! Vu que tu fais exclusivement du shaker qu'avec ton épaule, c'est compliqué effectivement d'avoir les accents. Puisque tu n'as pas la, t'as pas de poignet, Rebecca, quand tu fais du shaker, je comprends pas pourquoi. Quand tu mets l'accent, lâche le poignet. Il faut mettre un accent, tu veux absolument que je mette un accent? Cathy, ouais, bah vas-y. Non, mais c'est bon, je le fais avec qui? Non, mais vas-y, mets pas l'accent si tu veux, mais. Bah, du coup, ça veut tac, 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 tac. Tu
j'ai du mal à faire. Bah oui, c'est... Tu le prends un peu de côté, sinon, si tu veux un peu plus de largeur. Ah, ah, je le fais mal, là. Un accent suisse-allemand, quoi. Ouais, moi, de toute façon, je béguille, donc on s'en fout. En fait, tu pourrais effectivement rester continu. Bah oui. Puis c'est trop, avec trop de... Non ? Bah, bon, d'accord. Je sais pas, non ? J'ai juste pas besoin. Non, bah, il suffit de le mettre loin, et puis c'est bon. Oui, pourquoi pas. Drop, baby, drop, baby, drop. Got to drop all your love on me. Drop, baby, drop, baby, drop. Drop, cause I'm hungry. Drop, baby, drop. Got to drop all your love on me. Drop, baby, drop, baby, drop. Drop, cause I'm hungry. Ouais, en fait, ils tombent avec le baby, en fait, les deux premiers. Drop, baby, drop, baby, drop. Et après, c'est pas ça le problème, hein. C'est quoi? C'est le fait d'avoir un mouvement continu en même temps. Ouais, mais si t'as ça, tu peux avoir le chant avec. Non, non, je veux dire, drop, vu que tu le chantes. Non, oui. Mais oui, mais ça ouais. Va tout seul si je fais que ça avec la voix. Ouais. Drop, baby, drop, baby, drop. Ça, du coup, c'est, évidemment, c'est super facile, okay. Mais c'est ça qui me fout dedans. Ouais, moi quand j'essaie de me repérer, j'essaie d'avoir un truc avec le texte pour me, tu vois. Non, mais d'accord, mais ça suffit pas. Ouais, d'accord. Okay. C'est juste que c'est le shaker qui me fout dedans. Drop, c'est pas tant la main gauche que ça. C'est à cause du shaker. Okay. Bon, bref. Peu importe. Très bien. Je pense que ça n'arrivera jamais, Rower. Qui dit ? Une émote de Guy animé. Oh. Voilà. Autant les claps, je pouvais me débrouiller, mais là, c'est un peu trop spécifique. Là, faut que je trouve juste des cymbalettes, sinon. Voilà. Juste un tambourin qui bouge, quoi. T'as vu le message de Mr. Fraise ? J'ai appris un nouveau morceau et je l'ai maîtrisé super vite. Ah bah, j'ai hâte d'entendre ça mercredi, écoute. Attention, t'as intérêt à le faire bien, du coup. Ouais. Freeman ! Bonjour. Je suis cœur de protéines, ils le font tous les jours. Ouais. Mais ils le font pas en rythme. Est-ce qu'ils le font avec un rythme? Smelly cat, how are they feeling? Est-ce que t'as les autres parties? Attention, moi je prends premier degré, hein. Tu me dis que tu la maîtrises, j'attends de voir mercredi. Premier degré. bah tiens, on a qu'à faire Lemon Tree. Il nous reste 10 minutes. Bah on fait Lemon Tree, Thousand Years, et puis on est bon. Allez, et on rentre chez bébé. On prend un dessert après, ouais. Ouais, c'est prévu. On a rien de fou, mais un petit... Oh, hé hey. À Lidl, ils font des petites compotes pommes châtaignes. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça a le bon goût de châtaigne. Du coup, c'est trop bien. Alors, c'est quoi, Smelly Cat? C'est quoi, Smelly Cat? Parce que Phoebe, elle faisait des la, des mi et des ré. Pomme fraise, oui. Un truc du genre, non? Mi la ré, ouais. Ah, mi la ré. Sur les accoudreaux de Taylor Swift. Tout smelly, 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 smelly cat. It's not your fault. Pardon, c'était la version de la pub. Un smelly cat. On est parti pour ça? Ouais. Un, deux. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about a blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree.
I'm sitting here on Mr. Power. I like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in a desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and I wonder. Today you told me about a blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about et merci, bonsoir, c'est fini. La chanson. La chanson. Ah. Ah. Merci Truelle pour le ID. Quoi? J'ai bugué en fait parce que t'as pas dit le S de Happen et du coup j'ai... Est-ce qu'il y a un S à Happen? Mais il y a des S à Happen, oui. À chaque fois. J'ai dit à chaque fois. Non, le premier tu l'as, enfin le deuxième juste avant le refrain tu l'as pas dit et donc du coup ah, je ouais. fais. Ça m'a bugué. Il y a que le tout dernier où il y en a pas. And everything oui, will happen. Tu sais. Ah, là, okay. tu l'as pas fait, du coup j'ai fait mais. Ok. Ah oui, Pierrot. Oui. Si tu sais qu'il est bientôt minuit, c'est que t'arrives à la fin. Bonjour, voilà. Pierrot. Si t'as un doute, tu te dis oh on est le soir, j'irai moins voir Becky and Cloud. Si les 23h50, tu sais que t'arrives à la fin. Mais c'est pas grave, t'arrives déjà. Parce que si t'arrives à minuit 42, tu fais ah merde, bah t'arrives pas du coup. Mm. Voilà. C'est assez facile de se repérer finalement. S'il y a Truelle ou Rouer qui sont dispo, si t'as un doute, reboot. Un petit point d'exclamation, idée, virer le backlomi de la commande Lemon Tree. Voilà, parce que j'ai enlevé cette émote et en fait, du coup, elle est encore dans des commandes. Ah oui. Voilà. Virer backlomi Lemon Tree, commande. Si vous êtes libre. Voilà. Libre de toi. Non, mais peu importe, même en phonétique, on s'en fout. Allez-y, c'est pas grave, je me comprendrai. Ben, c'est les mots qui manquent à la fin du message de la commande Lemon Tree juste au-dessus. Là. Voilà. C'est un mot qui ne veut rien dire. Backlomi, il manque une émote, donc il faut que je la vire. Ah ouais, celle-là. Donc là, on se prend peut-être capot. Ah, merci. Super. Voilà, et vu qu'elle cool down, ça n'a pas mis le message en double, c'est parfait, vous êtes trop fort. Mais non, ça marche pas. Heart beats fast. Color. Alors, quel capot tu veux, mamie? Mamie. Juste en demi-ton au-dessus de si bémol, donc en si. Je sais pas si ça te parle. En si, pas clôt. C'est-à-dire que moi, je joue ça. C'est bon. Voilà. Du coup, ça te fait un capot 4, c'est ça? Ouais. Je l'ai marqué sur ma partage de live. Ok. C'est gentil. Normalement. Voilà. Hop là. Alors. C'est parti. Pour toi, Truelle. Oh, oui. To fall, watching you stand.
finally goes away somehow. One step closer, and I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not. On s'entend. En fait, c'est con, hein, mais là. Non, mais. Vraiment, ça, en fait, ça, ce morceau-là, c'est pas que je l'aimais pas, mais il m'énervait parce que j'arrivais jamais à m'entendre dans mes fréquences graves. Ouais. Et c'était gens, ouais. très, 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 très désagréable pour là, moi de mieux. Le chanter. Et enfin, à part si je le fais en acoustique. Mais là, avec les hirs, là... Ah, je m'entends. Ah, c'est bien, hein. J'ai pas des creux. Et du coup, je suis pas en train de me dire... Est-ce que je suis vraiment sur la bonne note, quoi? Oh, c'est bien quand ça fait ça. Ouais. Je sais pas si ça te fait ça aussi. Un peu mieux, ouais. Ah, moi, ça me fait enfin, sur beaucoup de chansons. Fort, hein. Mais voilà, faut que je me rééquilibre encore un petit peu. Je vais faire monter quelques lives. T'inquiète, Rower. Oui, j'ai vu. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est ah, cool. Du coup, je suis contente. Ah. Tu sais ce qu'on peut faire? Non. Là, peut-être que... Tu vois, une fois que le live du 19, il est passé... Du 19 quoi? Décembre. Je les envoie parce que finalement, on n'a rien d'autre entre le 19 et le 6. Ouais. Donc, il y a peut-être moyen, tu vois, dans cette période-là, ça marche. Ok. Mais il faut que je les appelle, en fait, pour savoir si ça peut.
Oui, effectivement, s'ils sont ouverts. Ouais. Mesdames et messieurs, il est minuit, la fin des requêtes musicales. Et voilà, et la fin certainement du stream, parce que la course de billes, nous l'avons déjà faite en milieu de stream, même pas, deux tiers de stream, 23h10. Mmh. Hop là, ouais, on les a enfin mises. En fait, si tu veux, on les a reçues cet été, mais il a fallu les renvoyer parce que c'était la grosse douleur. On les a fait thermomouler, effectivement, mais sauf que le thermomoulage, ensuite, ce qu'ils en ont fait n'était pas parfait pour nos oreilles. Il y avait des endroits de pression où ça nous faisait mal, donc on a dû les renvoyer pour qu'ils les re-rabotent, enfin qu'ils les rabotent. Et là, on les a re-reçus et on a pris le temps avec Tritoc de refaire le setup audio du stream avec ça dans les oreilles. Parce qu'on n'avait pas encore le temps de le faire, donc ouais. Ça, on l'a enfin fait. Et donc là, on peut les réessayer sur 4 heures d'affilée en stream. Et mais moi j'ai encore, c'est encore un inconfort là. C'est comme si on t'appuyait tout le temps sur le cartilage. Ouais. Et moi, ça me fait mal au bout d'un moment. Ça va là, tu vois, je l'enlève. Ah, la pareil, la gauche aussi, moi, ça me, je sens ouais. Que tu es encore. Alors, après, la technique que j'ai trouvée, c'est de ne pas ramener le petit bitonio à donf ici derrière, tu sais. Ouais. Voilà, parce que quand je le mets vraiment serré à fond derrière la nuque, je pense que ça doit un peu, tu sais. Ouais, peut-être. Et du coup, quand je le mets pas à fond, ça va un poil mieux. J'ai l'impression que ça me tire un peu moins. Non, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, il faut que je le. Voilà, un petit dernier, en théorie, un dernier passage chez eux, et puis ça devrait aller, quoi. J'imagine. Bonsoir, monsieur Champs. Bonjour. Bonsoir. Alors, donc. Oui. Donc effectivement on arrive à la fin de ce stream, c'est ouais. Cool, merci, c'était bien, c'était... Ah, c'est agréable de chanter en fait avec des... Enfin, je sais pas si vous entendez une différence dans merci. Ma manière de chanter, peut-être, hein, peut-être, ou pas du tout. Merci pour le follow sur Guise. Mais moi je suis plus confortable. En vrai ils ont du son légèrement différent aussi, hein. Il y a eu des petits ajustements qui ont été faits sur les sonorités des instruments. Donc, mais après peut-être qu'ils peuvent entendre aussi une face, enfin dans la manière de chanter. Peut-être. Ceux qui ont des oreilles plus aiguisées s'entendent que peut-être que je suis moins fausse, j'ose espérer. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Donc voilà. Ils sont de plus en plus précis. Cool. Ça va être compliqué de plus précis. Hein. Merci en tout cas. Bienvenue à toi Sergine. Alors c'est quand tu arrives sur la fin du stream donc on... Mais il connaît, c'est pas la première fois que je vois ce pseudo. Ou alors je l'ai vu ailleurs sur Guise. En tout cas, c'est une follow. Ouais. Premier follow, ouais, je vois, ouais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu le pseudo quelque part. Oh, Link! Comment me remercier? Thérèse-moi. Thérèse-moi. C'est un verbe? Oui, voilà, sur Guise, c'est bien ce qui me semblait. Oula, je vous connais avec un point même à la fin. Oui, je vous connais. Ouais, on a déjà vu ce pseudo. C'est-à-dire? Se connaît. Mais c'est vrai que c'est pas première fois sur le stream. Non, c'est ça, c'est pour ça. Donc, bah, j'espère que tu as déjà eu de la musique au préalable et que tu entends la différence. Ah oui, c'est vrai. Ce fail. Pourquoi ? Merci. Ah bah merci. Pour le risseur. Combien ? 13 mois, Thérèse moi. Merci beaucoup, Nilink. Chers amis. Il y a plusieurs choses à vous dire. Il y a plusieurs choses à vous dire importantes avant de fermer complètement ce stream. Oui. Déjà, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci Truel, Luc Marcheciel, les modos du cœur. Ah, waouh. Merci pas les modos beaucoup. Du cul. Ailleurs, sûrement. Et donc, oui, plusieurs choses. Je t'écoute. Je vais poster, là, tout à l'heure, sur le Discord et partout ailleurs, le planning avec tout le détail. Sachant que ceux qui sont déjà sur Instagram, ils l'ont vu. Le planning de la semaine prochaine. Ouais. Il y aura un Miracle Morning demain sur ma chaîne solo, donc chaîne de Rebecca Arts, demain. Je pense que, d'ailleurs, ceux qui savent, sur mon Tipeee, je vais poster, pour ceux qui ont écouté la phase numéro 2 de Primal Robot, je vais partager en exclusivité pour tous les tipeurs, une vidéo que j'ai faite, du one shot que j'ai fait de la voix, c'est-à-dire la dernière prise que j'ai faite pour cette chanson. D'accord. Du scarabée, de la plume et de l'enclume, je sais plus quoi. Il y a trois mots. donc voilà. Mais j'aurai l'occasion de le redire demain. Et donc demain après-midi de la lecture et de la musique. Mardi soir. Bon, regardez les messages épinglés. 20h, pas 20h30, 20h. Ouais. Soirée spéciale avec. Deux invités et demi. Je dis deux invités et demi parce qu'on aura peut-être Eleonore en visio. C'est vrai. Donc deux invités qui sont Guillaume et Victoria que vous avez peut-être déjà vu pendant le live de 2021 septembre. Ou en rediff parce qu'on en a pas mal parlé de Furvent. Des gens de la compagnie Arnaud qui ont fait un spectacle, qui sortent un double album de ouf avec notamment nos voix dessus. On a participé dessus. Et donc il y a un Kickstarter qui a déjà atteint les 100%
mais qui espèrent glaner un peu plus de fonds. Parce oui, que, parce qu'ils ont dépassé les budgets finalement ouais, de ce qu'ils avaient prévu. Ils ont fait plus de journées de studio. Bien comme il faut. Voilà. Et donc, c'est une soirée où ce sera interactif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser des questions. Il va y avoir des commandes spéciales pour poser des questions. Et selon les paliers qu'on atteint, on va déclencher des défis et des courses de billes pour gagner des goodies inédits de Furvent. Ouais, il y a des trucs à gagner, venez. Il y a voilà. De la bouffe gratuite, venez. Bon, vous ne pourrez pas la manger. Et puis bon, en plus, Victoria et Guillaume sont super intéressants. C'est des êtres humains top. Donc on est très contents de les recevoir ici. On ne va pas à la librairie cette année, on reste dans le studio. Et on aura certainement Eleonore, si on y arrive, en visio, en même temps, sur un petit bout. Ouais, elle nous parle de son travail de mise en musique. Et donc si vous aimez La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, ou si vous ne connaissez pas La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, venez en fait, parce que c'est une mise en ouïe du premier chapitre. Même c'est un peu plus que le premier chapitre, mais en tout cas du gros passage où en fait la Horde du Contrevent se tape le Furvent. Et donc si vous avez eu du mal à vous mettre dans le bouquin au début, c'est vrai que en fait ça va être une super montée en matière pour rentrer dans le bouquin. Et voilà, moi c'est mon livre préféré ever, donc c'est vraiment à ne pas manquer. Donc ça, c'est ce qui va se passer mardi. On compte sur un max de gens pour soutenir la compagnie Arnaud, au moins par la présence. Et voilà, pour qu'on se marre bien et que ce soit super interactif avec les questions. Ah, cool. Talion qui dit oui, pas de questions. Ah, ça fait plaisir. Oui, parce que Talion, en plus, suite à notre live du 20 septembre 2021, elle a acheté le bouquin, s'il me semble bien. Ouais. Donc c'est bien, je suis contente. Il y a des gens qui ont acheté le bouquin et qui ont adoré suite à ça. Ça fait plaisir. J'ai plongé dans le livre grâce à ça et je connaissais pas avant. Et j'ai adoré. Tu m'étonnes. Bonjour Miss Kenny. Donc ça, c'est ce qui va se passer mardi. Le reste de la semaine, ça va être très simple. Vendredi, on joue au casino de Gérard Mer. Ouais. Gérard Mer. Ça faisait longtemps. Depuis 2018, figure-toi. C'était le 21 juin 2018. Oui, c'est vrai, ça passe. Voilà. Et le samedi, on fera donc un live musical à nouveau. Samedi prochain, de 20h30 à minuit. Voilà. Voilà. Pour la musique. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la semaine prochaine. Donc là, je vous ai préparé un petit topo, un petit pavé nounet que je vais mettre sur le Discord. Donc rejoignez-nous évidemment sur les réseaux sociaux, si je retrouve le lien. Merci. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc venez demain après-midi, 14h, 17h30 sur ma chaîne solo. Mardi, 20h minuit, pardon, Furvent, soirée spéciale. Et du coup, on a samedi, 20h30, minuit pour de la musique en duo, ici. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Je sais que tu as trop d'infos, tu l'info. Hein. Ouais, on essaie de faire clair. Tu as lu le bouquin il y a environ 15 ans. Cool, oui, parce qu'il date de 2004 et ils vont fêter les 20 ans. Et oui. C'est un truc de ouf. Bon, après, l'auteur lui-même, j'en suis un peu revenu, mais la Horde, elle est quand même... C'est incroyable. Vraiment son bouquin phare, quoi. Ouais. J'ai pas encore lu les autres bouquins, mais c'est vrai que de ce que m'en disent Guillaume et Victoria, La Horde, c'est un... Ça reste le meilleur pour le moment. Il y a un truc en plus, quoi. Un truc en plus. En tout cas, il y aura plein de choses à gagner. Donc, si vous aimez gagner des trucs, venez. Il y a même des bouquins à gagner. Il y a même des bouquins à gagner. Il y a un bouquin à gagner, effectivement. Un bouquin d'Alain Damasio, justement. Il y a des contreparties, par contre, inédites, hein, qui n'ont pas lieu sur le Kickstarter. C'est ça, des contreparties qui ne sont pas sur le Kickstarter. Ah, bravo, Artalek, il a presque tout suivi. Entre deux siestes. Regarde-moi les deux là. Non mais vous inquiétez pas. Si vous venez mardi, on réexpliquera tout. Il y aura des commandes en chat et tout. Ce sera bien. Ouais. En résumé, donc voilà, sur le stream, on a mardi, samedi, sur la chaîne en duo, et demain, pour moi, toute seule sur ma chaîne en Rebecart. Voilà. Yes. Miss Queenie, oui, effectivement, t'arrives à la fin du stream musical. Mais merci d'avoir mis ton follow. Le prochain live musical, en tout cas, ce sera samedi. Voilà. Et mardi soir, c'est un live un peu spécial. Lecture, si t'aimes la littérature, la culture, viens mardi. Voilà. Littérature, culture, théâtre et des êtres humains très intéressants qui ont des trucs super intéressants à raconter, qui pourront raconter pendant 20 heures d'affilée. Ouais. Viens, c'est trop bien. Voilà, on va avoir deux invités d'exception. Oui. Mardi soir. Allez, je vous propose un petit raid, pareil, quand on parle de trucs de cœur qui nous ont marqués pour toute la vie, je vous propose un petit raid chez Aurel Porto, qui est en train de jouer à Hollow Knight. Ah, oh, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini, c'est sa 16e session sur Hollow Knight. Aurel Porto, que vous connaissez certainement dans Kaamelott, sous le nom de... Gauvin ?
Gauvin. Yvain. Non, c'est... Gauvin. Dupont ou Dupont ? Bref, vous le reconnaîtrez. Merde. Ah merde. Eh non, mais à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, j'ai le moyen mnémotechnique, je fais ah oui, oui, c'est sûr. Fois, c'est Gauvin. Gauvin. Non, mais tu vois, Gauvin, mais voilà. Donc voilà, on va aller chez lui. Ah non, c'est Yvain. Oh, bah, battez-vous. Yvain, Gauvin. Yvain, Yvain, quoi. Oui. Julien, on a retrouvé les VOD, en théorie, une grosse partie des VOD de Hollow Knight de mes sessions de 2020. Et on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup de poster en fait toutes les vidéos d'avant la première fois qu'on postait les VOD sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on poste des vieilleries ? Est-ce que ça serait intéressant de poster des vieilleries sur YouTube pour décharger les disques durs ? Ah, d'accord, donc c'est Gauvin. Parce que Yvain, c'est Simon Astier. Yvain. Donc Gauvin. Voilà. Mais oui, c'est Gauvin, évidemment. Bah alors ? Alors, vous l'aviez chez vous ? C'est les petits pédestres, voilà, on le sait. C'est l'un des deux petits pédestres. Allez, je vous lance le raid ici, mesdames et messieurs. Soyez courtois, évidemment, en arrivant là-bas. Nous, on a kiffé le jeu vidéo Hollow Knight et il est en train de le découvrir. Ne faites pas de backseat, évidemment. Si encore Magic Iron Sam, je crois qu'il était en migraine. J'espère qu'il va mieux. Mm. Si jamais il est encore dans les parages, il verra un petit peu Aurel Porto jouer à sa 16e session de ce jeu-là formidable. Yvain, chevalier au lion. Voilà. Gauvin, chevalier au pancréas. Bonsoir, Xua. Salut, Xua. Ouais, mais on repart. On n'est pas là, Xua. Ouais, bisous. Ouais. On est là, mais sans être là. Allez, moi, je remets un peu de réverb comme Merci ça. Merci beaucoup, tout le monde. On vous fait des là-haut. Bisous. Là-haut. Ouais, là-haut. Des bisous. C'est la dernière fois que vous voyez le setup Halloween. Furvent, mardi soir. Et après ça, samedi, déco de Noël en théorie. Hein. Ouais. La bamboche, c'est terminé. La bamboche est terminée. Pour ceux qui vont se coucher, sinon, rien de vous a le droit de vous ambiancer. Oh, le petit chien, profitez oui. Profitez vite, le fantôme, tout ça, tout le monde. Allez, si vous êtes abonné, vous copiez le message qui bouge. Si vous n'êtes pas abonné, vous prenez le message qui est... statique afin de pouvoir faire un message de raid en arrivant chez Aurel Porto. Énorme, histoire qu'on ait la classe. Allez, oui, le petit fantôme. Bonne soirée, Phoenix. Merci beaucoup, toi aussi, pour la bonne humeur et la présence. Des bisous. Oh, le zombinou. On vous fait des bisous. Merci encore pour tout. Allez. Allez, salut. À demain chez Becky. À mardi. En duo ici. Oui. Salut. À rafoir. Allez. Je mets de la musique bien. C'est parti. C'est parti.